ça va? Danse avec les stars, alors. Mais écoute, c'est une expérience assez incroyable. Moi, j'ai dansé, j'étais un peu blessée en torse des cervicales et de la côte. Mais j'ai vécu un moment assez magique où tu te sens plus féminine que jamais. Où, voilà, j'ai dansé sur un tango argentin sur Skyfall. Ah ouais? Voilà, ça a été... voilà. C'est vrai que tu as perdu 10 kilos déjà? J'ai déjà perdu 6 kilos en moins d'un mois. Oh putain. C'est comme on m'avait proposé. Ils t'ont proposé à toi, non? Ouais. Je croyais que c'était une blague. Ils m'ont proposé Danse avec les stars. Alors, j'aurais dit avec quelle star je vais danser, mais... c'est ça, le truc. Mais quand tu vois, quand je danse, moi, on dirait que j'ai perdu mes clés. J'aurais dit, il faut vraiment pas que je fasse ce truc-là. Alors, Jérémy Star, la semaine dernière, t'as proposé de payer les frais de scolarité de l'une de tes fans. Est-ce que tu as reçu beaucoup de demandes? J'en ai reçu énormément, plus de 600 candidatures. Donc je profite de ce warm-up pour faire quelques précisions. Il me faut quelqu'un d'ambitieux, de motivé, un boursier ou une boursière qui, ma foi, bosse énormément. Ça sert à rien de m'envoyer des factures de but en blanc sans même me dire bonjour. Je ne veux pas qu'on me parle d'argent, je veux qu'on me parle d'amour, de rêve. Je veux des gens motivés qui ont une vocation et qui se battent, voilà, pour réussir ce qu'ils ont envie de faire. Non, mais comment tu vas les choisir? Il y a énormément de candidatures, donc c'est vrai qu'il y en a certaines qui se détachent, hein, plus particulièrement 46, donc ça fait encore beaucoup. Il y a une fille qui veut devenir magistrat, un garçon qui donne tout pour devenir styliste, une jeune femme aussi qui veut faire des études d'ostéopathie. Ostéopathie vétérinaire, enfin il y a des profils... Ostéopathie vétérinaire? Oui. Ça existe? Oui. Moi, c'est celle-là qu'il faut prendre. Ah, je sais pas, mais il y a des profils très différents. Donc voilà, avec la production et mes équipes, on trie tout ça. J'annoncerai d'ailleurs dans cette émission le nom, ou peut-être même les noms, si j'en choisis plusieurs, qui pourront bénéficier d'une prise en c'est charge. C'est bien ce qu'il faut. C'est très bien. Voilà, c'était le warm-up. On va se faire lundi dimanche. Mais il dévore les politiques. Franck Olivier Gisbert. Ça va? Super. Je ne vous ai pas demandé dans le warm-up parce que vous n'avez pas de vie, vous, de toute façon. Non, je pose tout le temps. Il y a comme un grand événement à Marseille, c'est la baleine qui a bouché le port. Ah oui, c'est pas une sardine, c'est une baleine, une vraie baleine. Elle a réussi à repartir, enfin. Vous allez nous en parler toute la soirée. Parce que non. Iron Girl, Natacha Polony. Vous avez préparé quoi cette semaine, Natacha? Je vais vous parler d'un scandale d'État. Comment on s'est fait avoir par les entreprises qui ont racheté les sociétés d'autoroutes? Ah bah oui. Quand vous passez sur le péage, vous penserez à ça. Natacha, moi je reste attaché à ta douce personne. Pour détourner un avion, il faut être dedans. Elle est là, Raquel Garrido. Vous nous parlez de quoi cette semaine, Raquel? Cette semaine, on parle de foot. On a beaucoup parlé de football à la rentrée suite au transfert faramineux de Neymar. J'ai voulu montrer une autre facette de ce grand sport qui va bien plus loin que ces grandes équipes qui ont financé par des milliardaires. Ah ouais. Je suis allée dans un musée à Marseille, le Mucem, qui a une super expo. Voilà, une expo qui s'appelle Nous sommes tous foot, et on est tous foot, même vous, Thierry Hardisson. Antisociable, perd ton sang-froid. L'avocat qui se défend très bien lui-même, Gilles William Golnadel. Pour votre ampleur, on a ça. D'accord, madame, attendez. C'est incroyable. On a d'autres propositions. Ah. Bad.
c'est pas mal, battre pour vous. Mais non, je veux un truc de crooner. Mais il faut que ça ait un sens. Je m'en fous, je veux smile. C'est pas compliqué, mais non, smile. Ça vous va pas du tout, smile. Mais ça me va complètement. Non, pas du tout. D'abord, non. Je suis... Pas du tout. On a ça, on a ça, on a ça. Carrément méchant. Oh là là. C'est bon de se sentir aimé. Bon, je crois que c'est fait. À partir de la semaine prochaine, ça sera jamais content. Voilà, c'est fait. Je pense que tout le monde est d'accord autour de la table. Ça me touche beaucoup. À l'âge où tu demandais un peu d'argent de poche à tes parents, elle avait déjà monté sa boîte. C'est Absatoussi. Vous nous parlez de quoi cette semaine, Absatoussi? Ah là là, cette semaine, je vous parle de pectoraux. Je vous parle de ventre plat. Regarde, hein, je vous parle de personnes qui sculptent leur corps, oui. Comme sûrement pas mes voisins. Oh, ouais. Ça continue. Non, non, ça non. Ça continue. Non, non, non. Et tu... La meilleure chose qui soit venue de Perpignan depuis Charlotte Julien, Mathieu Madénian. Ah, j'avais Madénian, c'est comme Aznavour, mais sans l'argent. Oui. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. C'est bien. Tu veux ça comme slogan? Ouais, c'est, on change un on peu. On peut changer. Ouais, allez. Madénian, il faut qu'on en parle entre nous, tu vois, c'est démocratique ici. D'accord, OK. Qui vote pour ça? Moi, j'aime bien. Voilà, c'est gagné. Moi, j'aime bien. Debout. Oh, putain. On est pas obligé de tout écouter. C'est qui, non, ça? C'est Mireille Mathieu. C'est la version de Mireille, je pense, oui. Ah ouais, d'accord, OK. Ah ouais. Et pas Charlotte Julien? Charlotte Julien, c'est en là, Charlotte Julien, écoutez. Pourquoi les gens là-bas s'amusent tout le temps? Y'a pas de métro à Perpignan. Alors toi, tu connais pas, mais y'a pas de métro à Perpignan, Charlotte Julien. Il traite tout le monde de putaclic en assumant être une tête à claque. C'est Jérém Star. Alors, pas de jolie libre ce soir. Je vous ai quand même tout piqué la vedette la semaine dernière avec mon mariage. Oui. Je me suis dit, je vais leur laisser un peu de place. Voilà, c'est pas con. Voilà, l'émission s'appelle Les Terriens du dimanche. Le groupe Les Gréments de Fortune et le hashtag LTD. Et maintenant, Les Terriens du dimanche se mettent dans la peau d'un patron de presse et France dans la peau de France. C'est la une de la semaine. Alors, Gilles William, votre une. Ma une, c'est à propos, évidemment, de balance ton porc. Du hashtag balance ton porc, et j'ai mis « et ton voisin », parce que, à vous redire le vrai, je ne suis pas très convaincu par ce mouvement. Ouais. Je veux dire par là que des femmes harcelées puissent avoir l'envie de raconter leur expérience, et pourquoi non, et je trouve ça plutôt bien. Mais ce délire hystérique sur la toile, moi, en tant qu'avocat encore plus qu'en tant que mec, ouais, ça m'effraie profondément. Ouais. Ça m'effraie profondément parce que... La délation, quoi. Mais oui, non, mais c'est pas seulement la délation. Si c'était que la délation, effectivement, c'est une délation grave parce qu'elle est anonyme, ou sous forme de pseudo. Mais si c'était que ça, certaines personnes ont balancé avec des noms ou bien avec des gens qu'on reconnaît parfaitement, le DRH de telle radio, par exemple. C'est le principe. Et ça, y a des victimes, mais des menteuses, ça existe. Des mythomanes, ça existe. Des maîtresses chanteuses, ça existe. Moi, j'ai connu des femmes qui voulaient se venger. Ouais. Des harceleuses, j'en ai fait condamner des harceleuses. Bien sûr que ça existe aussi. Absatou. Je suis un peu mitigée par rapport à ce hashtag. Oui, ça permet de balancer des porcs et de calmer un certain nombre de types qui se permettent tout et n'importe quoi. Mais quand même, quand on est harcelé ou qu'un type me touche, si quelqu'un me touche le sein ou la fesse, je dépose plainte. Donc c'est à la justice. Non, mais je veux dire, à un moment, ouais, si on me touche les fesses et que je ne l'ai pas autorisé, oui, je dépose plainte. Immédiatement. Le point positif de ce hashtag,
c'est que pour la première fois, la honte change de camp. C'est-à-dire qu'on avait des femmes qui avaient été un petit peu abusées et qui se sentaient honteuses, qui n'osaient pas parler. Et cette fois, eh bien, c'est les mecs qui prennent ça dans la face et c'est bien fait pour leur gueule. Je suis désolée. Alors, oui, qu'est-ce que t'as contre les mecs ? Mais j'ai rien du tout. Moi, je défends les femmes. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis gay. En tout cas, pour la première fois, voilà, la honte change de camp. On a compris, Natacha. Juste pour vous expliquer la complexité de la chose, il y a le premier site qui a raconté des témoignages de femmes, s'appelle Paytashneck, et il a fait un tableau pour expliquer la différence entre drague et harcèlement. Alors, exprimer poliment dans un contexte adapté son envie de connaître une personne ou de la revoir et respecter son éventuel refus. Drague. Dans un contexte... Drague. Bien joué. Siffler une personne n'importe où, au Parlement, dans la rue, au travail, dans les transports. Harcèlement. Drague. Ah merde. Faire un commentaire sur le physique ou la tenue d'une personne qui n'a rien demandé ou qu'on ne connaît pas. Harcèlement. Oula. C'est-à-dire qu'en fait, tout le reste, c'est du harcèlement. Donc, on ne peut pas faire un compliment à une personne qu'on Gilles croise. Gilles William, on ne fait pas un compliment dans la rue à une personne qu'on ne connaît pas. On ne sourit plus. On ne sourit plus à une jeune fille. Est-ce que vous vous rendez compte dans quel monde on vit? Est-ce que vous vous rendez compte dans quel monde on vit? Calmons-nous, il y a une définition légale. Il y a une définition légale du harcèlement. Donc, 94% des plaintes que déposent les femmes à la police pour harcèlement sont classé sans suite. Donc, vous étonnez pas qu'ensuite les femmes trouvent d'autres lieux pour exprimer la violence dont elles sont l'objet et pour trouver une forme de vengeance pour que la société change. Moi, tout ce que je peux dire, on a le droit aussi en tant qu'homme de prendre conscience de gestes qu'on a eu de quel casser. Rapport avec la délation électronique. On a le droit. On a le droit d'écrire une petite lettre à une personne qui a mis sur son post Facebook ou sur sa page Twitter son petit voilà quelque toi, chose. Toi. Et on a le droit de faire amende honorable. Les hommes ont le droit de faire amende honorable pour ne pas se retrouver encore une fois dans une situation telle qu'elle est aujourd'hui. À vous, Natacha, votre une. Moi, je vous emmène très très loin dans l'empire du milieu. Parce que cette semaine, je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité, 19e congrès du Parti communiste chinois. Eh bien, il faudrait peut-être prendre conscience que la Chine a une particularité que nous n'avons pas, c'est la vision à long terme. C'est-à-dire qu'ils sont en train de monter un projet, ça s'appelle la nouvelle route de la soie, 1000 milliards de dollars d'investissement pour conquérir des marchés, et en fait, c'est pour venir directement nous vendre leurs produits. La question qui se pose aux Européens, c'est d'abord, avons-nous une vision à 20 ou 30 ans? Macron, ensuite, il essaye d'avoir une vision à 5-6 ans. Lui. Voilà, c'est déjà énorme. La deuxième Macron, il défend la finance, la microfinance. La deuxième question... C'est une perspective à la seconde. La deuxième question, c'est entre l'impérialisme américain qui s'impose par le droit, en mettant des amendes à toutes nos entreprises pour nous contrôler, et l'impérialisme chinois, il va falloir à un moment donné parler de l'indépendance de l'Europe. Oh là. Est-ce que Macron, est-ce qu'Angela Merkel auront le courage d'aller jusqu'au bout ou est-ce que ça va juste être des mots? On va le voir très bientôt sur la question de l'Iran. Parce que Peugeot, par exemple, est implanté en Iran. Donald Trump veut interdire aux entreprises européennes de vendre en Iran sous peine d'amende. Or, l'Iran est en train, du coup, d'être repoussé vers la Chine. Où est-ce qu'on va se situer et est-ce qu'on va soutenir Peugeot pour pouvoir très vendre juste. Librement C'est un enjeu juste. Énorme. France, une réaction sur ce que vient de dire Natacha Polony. Moi, le côté, la France, l'Europe, on est vachement bien. Tous les autres sont des méchants. J'aime pas ça. Bah, la Chine, quand tu vois ce qu'elle fait en Afrique, attends, des méchants. Nous, on ne s'est pas bien comportés non plus autant nous étions impérialistes. Il y a un pays qui est en train d'exploser, qui va doubler tout le monde, et en 2025, il sera au sommet, parce que lui, il décolle c'est complètement. Ben, c'est l'Inde. Ah oui. Évidemment, c'est l'Inde. Donc, la Chine, c'est déjà... Je veux dire, c'est un problème aujourd'hui, c'est vrai, mais le prochain problème, ce sera l'Inde. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où l'Europe n'est plus à le maître, la maîtresse de tout, on a perdu les guerres, la roue tourne, c'est dans l'autre hémisphère que ça se passe. Raquel, quelle est votre une cette semaine? J'ai fait une intitulée « L'autre projet terroriste ». On a su par la presse qu'un groupe d'extrême droite avait projeté des attaques contre Jean-Luc Mélenchon. Christophe Castaner, oui. Contre des mosquées. Il s'agit d'un groupe, celui-ci, qui serait basé dans le sud de la France. Et puis, il y en a d'autres aussi, des groupes comme ça, hein, qui ont des locaux en France et qui sèment la terreur. Comme les antifas, mais à l'extrême droite, quoi. Oh, écoutez, je dirais pas ça, parce qu'il faut prendre au sérieux, là, la menace, vraiment. Les antifas, c'est pas sérieux. Le problème, c'est que jeudi dernier, le ministre de l'Intérieur a dit que finalement, c'était des bras cassés, c'était un peu des croquignoles, qu'il n'avait pas de cible précise. Par conséquent, je pense que M. Mélenchon, avant que de jouer les victimes, il ferait bien d'attendre un petit peu les résultats de l'enquête. Et si vous voulez vraiment vous déchaîner
contre des vrais violents, je ne saurais trop vous conseiller de vous faire les antifas et les black box. Mais c'est drôle que vous disiez ça. Oui. Parce qu'en général, quand il y a des attentats qui ne viennent pas de l'extrême droite, vous êtes le premier à taper sur ceux qui prennent des précautions de langage. Bah oui, moi, je suis factuelle. Justement, vous ne l'êtes pas, Raquel, là, pour le coup. Factuelle. Parce moi, que là, ça vient du gouvernement. Les gens ont été arrêtés. Il y a 10 personnes qui ont entendu de la part d'une avocate. Et 25 ans les types sont qui ont été vue, entendus, qui ont dévoilé leurs intentions. 2002, pas de deux poids, deux mesures. Il n'y a pas eu un attentat qui vient de l'extrême droite. Ah, ben voilà. Donc, en gros, quand il s'agit d'Arabes ou de personnes musulmanes, là, c'est d'office, c'est des terroristes. Il n'y a même pas besoin de faire d'enquête. Il n'y a même pas besoin. Ah, ben non, il n'y a qu'à regarder. Regardez les morts, il y a 200 et quand, morts, et quand il y a 200 morts sur la base de... Je peux le recommencer, ça? Je pense que vous avez dit ce que vous aviez à dire, non? Très bien, alors j'ai... Très bien. Non, mais pourquoi, ça va? Non, ça va. Mais quand vous êtes au tribunal, par exemple, vous faites des plaidoiries de combien de temps? Entre 10 minutes et 3 heures. Ah ben voilà, on prendra celle de 10 minutes. Merci beaucoup. Franz Olivier Gisbert, votre une. Alors moi, j'adore le romanesque en politique, et en ce moment, on a vraiment du romanesque entre... Macron d'un côté et Hollande de l'autre. Oh là là. Ah, c'est une histoire incroyable. C'est pourquoi violent. Tant de haine C'est extrêmement violent. Mais il faut bien voir que, évidemment, Macron doit beaucoup à Hollande. C'est Hollande qui l'a mis en selle, il a été son ministre. Et quand Macron parle de Hollande, il dit toujours mon prédécesseur. Sans mon prédécesseur qui n'a fait que des conneries. Hein, parce que c'est toujours pour dire oh là là, que c'était affreux, etc. Évidemment, Hollande prend ça très mal. Et moi, je pense qu'il va peut-être se passer quelque chose qui était un peu inattendu, mais la politique réserve toujours des surprises. C'est qu'à force de répondre, Hollande est en train de s'installer dans un personnage à gauche aussi. Ça va faire de la concurrence à Mélenchon. Mais peut-être un truc qui n'était pas prévu. Peut-être d'ailleurs à terme, peut-être reprendre un jour le Parti Socialiste. Enfin, vous savez, quand vous attaquez de toute façon en politique, vous excitez, vous énervez. Mmh. Et là, clairement, Hollande, il est reparti dans une espèce de... On voit bien. Ça peut monter, voilà. Mais compte tenu du succès de son quinquennat, vous ne trouvez pas un peu... obscène qui s'affiche autant. Bon, la politique, c'est toujours comme ça, de toute façon. Les gens oublient. Attendez, les Français sont amnésiques. Ils ont absolument pas de mémoire. Enfin, quand même. Et oui. Allez, petit autocritique, là. Allez. James Starr, donc, quelle est votre une cette semaine? Alors, une dont on parle beaucoup en ce moment, hein, le troisième sexe. Oui. Alors, voilà, autour de cette table, je pense que tout le monde connaît mon attachement aux problématiques de genre. Qu'est-ce qui fait d'un homme un homme et qu'est-ce qui fait d'une femme une femme? Dimanche dernier, le 15 octobre, le gouverneur de l'État californien a ratifié l'acte de reconnaissance de genre, hein, la loi SB 179. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, les Californiens vont avoir 3 options sur leur document d'identité officielle. Donc, soit masculin, soit féminin, soit non-binaire. Donc, c'est absolument génial. Ça s'appelle comment? Queer? Non, non-binaire. Troisième genre, troisième sexe. Non-binaire. Non-binaire. Micro-pénis. C'est une immense avancée. C'est une loi révolutionnaire. Il y a beaucoup de pays qui avaient reconnu, ma foi, l'existence d'un troisième genre. L'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Australie, l'Inde, le Canada. Mais jamais personne n'avait été aussi loin que la Californie. Je trouve ça génial d'avoir le droit de choisir ou justement de ne pas choisir, de pouvoir se considérer soit entre les deux sexes ou de pouvoir justement choisir de n'être aucun des deux. Voilà, moi, je suis à fond derrière... je suis à fond derrière la communauté... Il y a deux façons de voir le truc. Il y a des gens pour qui c'est une avancée, des gens pour qui c'est pas une avancée. Alors forcément, il y en a qui vont penser que c'est encore scandaleux, tout ça. Ouais. Moi, je trouve que c'est juste une grande ouverture d'esprit et j'espère que la France marchera un jour dans les pas de ses amis du Nouveau Monde. Bon, Absatou, alors votre une de la semaine. Si on m'avait dit un jour qu'un type qui bosse dans le porno allait réaliser mon fantasme, j'aurais dit c'est pas possible. Eh bien si, Larry Flint, le patron de Hustler, a réalisé mon fantasme en mettant à prix Donald Trump. Ça, j'adore. 10 millions de dollars à celui qui dénoncera une action ou un dossier concernant Donald Trump qui permettra sa destitution. Alors moi, j'adore parce que je trouve que c'est un scénario de film. Ouais, c'est un truc absolument génial. Oui. J'aimerais être la personne qui reçoit toutes les lettres avec les dénonciations parce que ça doit être super croustillant. Ouais. Voilà, je trouve que c'est génial. Il est wanted, c'est bien fait pour lui. Et moi, j'aimerais bien... ça. Vous qui êtes un partisan de la délation, ça vous plaît? Bah, je pourrais pas critiquer parce que je fais à peu près pareil. Hein. Je reçois sans arrêt des messages de policiers, d'infirmiers qui me balancent tout sur les people. Mais non, il est malin parce que je pense que beaucoup de gens vont écrire. Ouais. Mais c'est bien parce qu'il a créé finalement le média de délation participative. Oui. On peut dire ça.
Mathieu, j'essaie de revenir un petit peu à des trucs. Donc ma lutte, c'est celle-là. Donc voilà, 5-0, Paris humilié. Voilà, c'est mon fantasme. Ah, ah ouais. C'est ça. Ça c'est. Non mais on a le droit. Ça c'est de la science-fiction. Non mais attends, on a le droit. D'abord, je pense qu'il faut pas dire le PSG. Je pense qu'il faut dire la réalité des choses. Il s'appelle le Paris Qatar. Ouais. Voilà. C'est ah, comme ça. Paris, le PQ, c'est le PQ, le PQ. Oh là là. Le PQ. Ben, non mais tu sais quoi. Le PQ. Tu sens le Ricard Marseille. Le PQ. Ouais, le PQ quoi. Non, c'est vrai. Thierry, je suis peut-être nunuche, mais alors lui, il est sourd, il braille, mais comme un malade. Mais c'est pas possible. Elle me touche pas, là. Non, c'est pas elle possible. M'a touché, là. Non, c'est pas possible. Elle m'a touché, harcèlement. Et maintenant, les fausses infos qui sont plus vraies que les vraies, et inversement, c'est fake, no fake. Alors, les chroniqueurs vont-ils encore une fois battre la prod? Le sujet de ce soir, il existe des sacs à main en peau humaine. Vrai, faux, fake, no fake, on regarde. Un perfecto à la coupe élégante ou encore un sac à dos au design dernier cri. Des produits que l'on retrouve dans de nombreuses boutiques. À une différence près, ici, tous sont composés de peau humaine. C'est l'incroyable invention d'une étudiante en stylisme partie d'une simple mèche de cheveux. On extrait l'ADN de cheveux humains. On les incorpore à des cellules souches. Puis on les fait se développer grâce au génie tissulaire. Et une fois le tissu obtenu, on le tanne pour en faire du cuir. Comme notre peau, les produits sont sensibles aux UV et peuvent même prendre des coups de soleil. L'invention fait froid dans le dos, mais pour sa créatrice, c'est une véritable alternative au cuir animal. Quand on entend parler de cuir de peau humaine, on trouve ça grotesque. Et en même temps, on n'hésite pas à acheter du cuir animal en magasin. Je trouve ce paradoxe très intéressant. D'autant plus que le procédé que je propose permettrait de produire du cuir sans faire de mal à aucun animal, ni aucun être vivant. Pour l'instant, ces produits ne sont pas commercialisés. Mais voilà à quoi pourrait bel et bien ressembler la mode du futur. Voilà, alors des sacs à main en peau humaine, fake, no fake, François-Olivier Gisbert. Bah, ça n'a pas l'air vrai comme ça, évidemment. Je vous signale quand même que pendant la Révolution française... Non, c'est faux, c'est faux. Mais c'est une... Oh là là, vous... Oh là là, mais c'est faux. C'est faux. Voilà, voilà. J'en étais sûre qu'il allait dire ça. C'est tellement attendu. C'est faux. C'est des trucs... Mais tout ça, c'est des foutaises entretenues pour dénigrer la Révolution française. Oh là là. N'importe quoi. Pouvoir faire de la viande comme ça, ouais. Hein, de la viande synthétique, pourquoi pas, effectivement, de la peau humaine synthétique. Il y a quelque chose qui fait qu'on n'y croit pas, je ne sais pas, mais ça doit être vrai. Vous dites non, vous. Non, j'ai dit vrai. Moi, j'ai regardé la peau de mes deux voisins, je me suis dit que j'en ferais pas un sac. Ah. Après, j'ai regardé la mienne, je me suis dit oui, c'est vrai. Alors, un sac en peau d'Apsatou, oui, mais... Oh. En peau de mes voisins, non. En peau de Gisbert, ça vaudrait cher. Hein. Ça ne coûte rien. Natacha, vrai ou faux? Ça me met très mal à l'aise parce que la façon dont cette fille raconte ça a l'air vrai. Et je trouve ça absolument épouvantable, surtout quand on a un peu de mémoire, parce que moi, je ne remonterai pas à la Révolution française. Mais il y a des périodes de l'histoire où il y a eu des choses faites avec des matériaux humains, et on n'a pas envie de revenir à ça. Donc ça me met très, très mal à l'aise. Je crains que ça ne soit vrai, parce qu'on peut cultiver de la peau humaine en laboratoire, bien sûr, maintenant, parce que ça avait l'air vrai. J'espère que non, mais j'ai peur que oui. Mais étant donné qu'ils n'ont pas dit, est-ce que ce n'était pas commercialisé, ça semble vrai. Mais là, je me dis, si c'est fait en peau d'Arménien, et que quand tu vois la peau d'Arménien, tu te dis un sac à main comme ça. Non, mais attends, en Turquie, il y en a plein, tu sais bien. Oh, oui, putain. On pourrait faire des pantoufles. Non, mais t'as déjà vu un type aussi poilu? Les Arméniens. Tu rigoles, je me suis épilé tout à l'heure. Attends, je te parle pas du reste. Alors, c'est fake, non, fake. Moi, je dis que c'est pas vrai, c'est pas possible. Raquel Garrido. Moi, je dis que c'est fake. Fake, oui. Non, moi je dis que c'est pas fake. Il y a bien des musiciens qui font de la musique avec des os humains. Donc des sacs en peau d'homme, oui, j'y crois. Gilles William. J'ai la faiblesse d'y croire. Je pense que la production n'avait pas le budget d'aller enregistrer une étrangère. Rien que pour des raisons économiques. Je suis moins sévère sur le fond
que Natacha, parce que je préfère à la limite qu'on fasse de la peau humaine à base d'ADN plutôt qu'on aille tuer des visons ou des buffles ou je sais pas quoi, des vrais Bravo. Buffles. Par conséquent, ça ne me gênerait pas. Moi, je pense que symboliquement, utiliser un matériau humain... Tu es trop friande de symboles. Bon, cinq pensent que c'est vrai. Deux d'entre vous pensent que c'est faux. C'est effectivement vrai, et voilà. Je dois dire que vous battez une fois de plus la production, oui. qui devrait se poser des questions oui. sur sa capacité, à embrouiller les gens. Alors, les terriens du dimanche ont maintenant carte blanche. On passe en zone libre. Alors, cette semaine, Absatoussi est gonflée à bloc. Elle s'est intéressée au culturisme. Qu'est-ce Écoute. Que c'est que cette histoire, alors ? Écoute, en faisant Danse avec les stars, je pensais faire du sport. Ouais. Jusqu'à ce que je rencontre ces femmes incroyables, et notamment Nathalie Camus. Elle a 40 ans, elle se prépare à une compétition internationale de folie. Moi, je n'étais pas fan du culturisme. Je trouvais que cette façon de pousser le corps à l'excès n'était pas jolie, n'était pas intéressante. Ouais. Et en fait, quand tu l'écoutes, tu changes d'état d'esprit parce que tu te rends compte que c'est une battante, la fille. Ah ouais ? Ah ouais, regarde. Non, il faut faire ça pour qu'on regarde. Allez ! On regarde. Je suis dans une salle de fitness. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'hommes, mais il y a une femme qu'il faut absolument rencontrer. C'est Nathalie Camus. Elle pratique le culturisme et elle va nous en parler. Bonjour Nathalie. Bonjour à Tatou. Je vous dérange en plein exercice. Un petit peu, mais c'est pas grave. Ça a l'air léger, ça, dis donc. 50 kilos. 50 kilos, c'est mon poids. C'est-à-dire que vous pouvez me soulever comme ça, moi ? Bah écoute, essaye. Ah non, non, je peux pas essayer, moi. Oh là. Non, j'ai préservé. C'est quoi le culturisme ? Le culte du corps. Voilà, c'est modeler son corps et travailler sur l'esthétique et la musculature. Alors, qu'est-ce qui se passe dans deux semaines ? Miss Univers en Angleterre, à Birmingham, en catégorie body fitness, figure. Voilà. L'objectif, là, c'est quoi ? Lors de la compétition, c'est de montrer des muscles parfaitement dessinés, c'est que ce soit joli ? Il faut qu'il y ait une certaine densité, en effet, mais il faut qu'il y ait un équilibre qui soit respecté. Une qualité de sèche, c'est avoir une définition musculaire, que les faisceaux soient marqués, que les muscles se détachent chacun. Je dirais la peau sur le muscle, pas la peau sur les os, mais la peau sur le muscle. C'est moi, je suis sèche, là ? Pas trop, non. Alors, la compétition, ça se passe comment ? C'est quoi cette histoire de posing ? Parce que moi, je pose dans ma salle de bain, mais est-ce que c'est la même chose ? On peut, en effet, poser dans la salle de bain, mais sur scène, c'est un peu moins sympa, quand même. On est tout en line-up, c'est-à-dire qu'on est une petite brochette de nanas musclées, bijoutées, maquillées. Il y a le double biceps de face, le double biceps de dos, il y a le abdo-cuisse, d'accord ? Et là, on vient tirer et on pousse. Voilà. Et on expire dans tous les mouvements qu'on fait, dans toutes les poses, pour aller plaquer la peau sur le muscle. Wow. Quel est le jugement des autres sur votre sport ? À votre avis, je suis un homme, que je suis un travesti, un transsexuel. Mais quand on me voit percher sur mes petits talons, mes petits louboutins, avec un petit leggings, ça se passe bien. Pourquoi tu me regardes comme ça ? T'es impressionnée ? Ouais. Ouais, c'est impressionnant. J'ai beaucoup discuté avec Nathalie Camus, qui est clairement une championne dans son domaine. Je respectais pas forcément, encore une fois, ce fait de s'abîmer le corps, parce que pour moi, c'était s'abîmer le corps. Et en fait, je pense que comme tout sport, ça se respecte. Elle ne fait de mal à personne. C'est du dépassement de soi, c'est de l'entraînement, c'est intensif. Là, pour une compétition, c'est 8 mois d'entraînement. Donc voilà, et c'est vrai qu'elle subisse comme ça des commentaires désobligeants, notamment quand elle est avec sa fille et qu'on insulte ta mère, c'est pas agréable. Donc voilà, moi, je pense que c'est assez... respectable comme passion, même si on n'aime pas, on a le droit de pas aimer, mais c'est respectable. Raquel, ça vous tente ? Oui, j'adorerais vraiment avoir l'abnégation pour m'occuper de mon corps. Je suis dans un monde, le monde du métier des avocats, la politique, qui exerce surtout le mental, et on a tendance à oublier son corps, et je trouve que pourtant, il y a une philosophie, on dit le corps sain
dans le voilà le Sentemana, Sentemana, mais dites-le dans votre langue vernaculaire, c'est pas grave. Mais en fait, on parle de ça. Mais alors, il y a des gens qui... Alors, c'est pas si sain que ça. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui avalent ce que vous voyez là, hein, des compléments alimentaires. Voilà, c'est de la protéine en poudre. Ça, c'est légal. On peut... Voilà, on a déjà bouffé les insectes. Ça sent bon, ça sent le chocolat. Ça sent le chocolat pour enfants. Bon, il y a plein de gens qui avalent ça, effectivement. C'est des protéines, ça, c'est légal. En revanche, il y a des gens qui vont beaucoup plus loin et qui avalent ce qu'il y a à l'intérieur de cette fiole. C'est un stéroïde anabolisant. C'est de la testostérone faite en laboratoire. C'est de la testostérone synthétique. Hein. C'est en shoot, ça, non? Et ouais, mais moi, j'aimerais bien faire un cocktail pour le donner à ma bouffée. Mais je suis né dans un verre de testostérone. C'est de la testostérone synthétique. C'est illégal. Et ça peut provoquer des conséquences extrêmement graves. J'ai rencontré Cédric, notamment, qui a risqué sa vie. Voilà, il a 31 ans, il est passé tout près de la mort parce que finalement, quand on se dope et qu'on se pique, si on pique la veine, ça remonte directement au cœur, c'est fini. Ah oui. Voilà, et c'est à travers des tutos sur Internet, vous allez voir, il le raconte, qu'il apprend à se doper. C'est vous voulez que je fasse le truc, là? Faites-moi le truc, s'il vous plaît, Thierry. Oui. On regarde. Alors, Cédric, quand est-ce que vous avez commencé à faire du culturisme? Alors moi, j'ai gagné pas mal de titres en Argentine puisque je me suis exporté là-bas un petit moment. C'est là-bas que j'ai commencé à vraiment gagner mes compétitions majeures, naturellement. Une fois que j'avais rempli cette mission, entre guillemets, j'ai eu envie d'autre chose, j'ai envie de passer à la vitesse supérieure. Est-ce que ça veut dire que vous êtes dopé? Ah, clairement, j'ai fait l'usage de produits anabolisants, donc oui, je me suis dopé. Alors concrètement, comment vous vous dopiez? Alors moi, qui ne connaissais rien du tout à la chimie, j'ai été obligé de m'armer d'un coach qui, lui, m'envoyait ce qu'on appelle un protocole. C'est la notice, c'est le nombre de piqûres avec le nom des produits et à quelle fréquence et à quelle quantité. Pour l'anecdote, moi, j'ai appris à me piquer avec des tutos qu'on trouve sur YouTube. Mais quand même, quand on se fait une piqûre, si on ne pique pas au bon endroit, ça peut avoir des conséquences irréversibles. Lourdes, comme l'injection du produit dans une veine, dans une artère. Ça, c'est des choses qui sont... Quelles sont les conséquences? À la mort. Vous commencez à vous doper, vous êtes au mois de décembre, et puis 5 mois plus tard, vous retrouvez à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai été alerté par des grosses douleurs dans les parties basses du corps, dans certaines parties basses du corps. Donc, je suis tout de suite allé aux urgences. Je suis en direct de mon lit d'hôpital. Je vais expliquer pourquoi. J'avais mes reins qui fonctionnaient plus normalement. Je me souviens d'un matin où le docteur rentre dans la chambre et m'annonce en long, large, en travers ce que j'ai. Là, c'est un grand moment de solitude, au moment où il claque la porte, parce qu'on se dit tout simplement qu'à 31 ans, on a flingué ses reins. Est-ce que vous regrettez? Je l'ai fait à l'époque dans le cadre d'un sport et d'une ambition sportive peut-être un peu trop grande. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, je regrette parce que j'aurais pu ne pas être sur le canapé et répondre à vos questions. Ah, dis donc, un peu à tout. Ouais. Alors, ce qu'il faut, c'est alerter effectivement les jeunes. Ne faites pas ça. Vouloir être beau, c'est formidable. Si tu finis sur un lit d'hôpital ou que tu meurs, c'est un peu plus compliqué que ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une fédération qui régit tout ça. Il y a, voilà, c'est, qui serait rattachée au ministère des Sports ou pas. Non, il y a plein de fédérations, chacune de leur côté, qui font ce qu'elles veulent. Le problème, c'est qu'il va falloir à un moment penser à ça parce que tout le monde se dope un peu n'importe comment. Il faut se doper, mais comme il faut. Non, il ne faut pas se doper tout court. Natacha. Arrêtez de dire que c'est du sport. À partir du moment où il y a dopage, à partir du moment où on ne peut atteindre ces muscles-là qu'en gonflant, c'est tout pas du sport. Alors attention. C'est pas le principe. Le principe du sport, c'est la performance. Il y a des gens qui se dopent parce qu'ils vont à l'extrême, effectivement. Mais il y a plein de gens qui pratiquent le culturisme et qui ne se dopent pas, il faut le dire. Parce qu'ils pensent qu'à un moment, tout le monde se pique, tout le monde se dope. Moi, je suis pour. Il y a quand même consommation de produits beaucoup plus. Nadéniant, après, j'aime ça. Laissons faire la nature. Je suis l'exemple même. Regardez, ça, c'est du travail. Ça, c'est du saucisson, du vin, tu vois. Et ça, et tout. Et je résiste à la tentation de faire ça. C'est un choix. J'aime ça. Le problème, c'est que moi, je le vois autour de moi, les jeunes aujourd'hui sont persuadés que, voilà, être sexy, c'est être ultra musclé. Et il y a cette quête de la perfection esthétique. Sauf que non, c'est une quête finalement de la maladie, parce qu'on parle souvent de l'anorexie, mais pas assez de la bigorexie. J'étais bigorexie, comme ça, c'est les mecs en fait, ou les femmes d'ailleurs, qui se regardent devant le miroir et qui sont jamais assez gonflés, jamais assez musclés. Ouais.
et qui veulent toujours aller plus loin. Alors justement, il y a un Américain qui est mort aux USA, ça a beaucoup fait parler hein, ces derniers temps, qui s'appelle Rich Piana, un bodybuilder de 46 ans qui faisait 135 kilos, et puis voilà, qui était une star des réseaux sociaux, plus d'un million d'abonnés, parce que c'est vrai que dans ce milieu du culturisme, il y a une importante communauté, notamment sur Instagram, et ce mec est tombé foudroyé dans sa salle de bain en consultant son profil Instagram. Oh. Il a été maintenu dans un coma artificiel pendant 15 jours, et ben, ma foi, il a pas survécu, il est mort. Pourquoi ? Parce qu'il a abusé des stéroïdes. Voilà, il avait toute une communauté qu'il appelait les 5%ers, qui correspond à une marque qu'il a lancée, mais c'est les 5% de personnes qui vont jusqu'au bout de leurs limites, quitte à mettre leur vie en danger. Et c'est terrible, parce que même après sa mort, sa famille sort sur ses produits, continue à les vendre pour lui rendre hommage. Il n'y a pas de prise de conscience. Pour lui rendre hommage pour faire du business. Et oui, et les jeunes, malheureusement, s'identifient à ça. Il a envie de bouffer des protéines, mais vas-y, mais prends-en. Je vais surtout lui offrir ça, c'est de la testostérone, ça va le rendre plus viril. Ciao. Ah non, c'est dangereux. T'as l'air intéressé. France, oui, ça l'a... Ouais, ouais, vous avez noté tout ça. La courbe est très claire, en fait. Zéro sport, c'est mauvais pour la santé. Ouais. Donc, quand on commence à en faire du sport, ça monte comme ça. Et à un moment donné, quand on arrive à chercher la performance, c'est là où, boum, ça descend. Voilà. Et c'est plus grave de chercher la performance que de ne pas faire du sport, parce qu'on se casse, on se blesse. Elle a raison. Et c'est la fin. Est-ce que je peux donner un point de vue esthétique en tant qu'arbitre reconnu des élégances? Oui. On a le droit de faire du culturisme. Autoproclamé, tu veux dire. Autoproclamé, bien entendu. on a le droit de faire du culturisme. Mais sur le plan strictement esthétique, j'avoue que je préfère l'esthétique de Raquel Garrido plutôt que cette dame. Il est chaud comme la roue. Il n'a pas besoin du testostérone. Mais j'assume. Ah, mais j'assume complètement. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure des terriens de Tanguy Passuro. Ça va ? Bonsoir, Thierry, bonsoir à tous. Tanguy Passuro. Pas trop. Faites pas de corps, vous ? Non, assez peu. Assez peu. J'ai pas trop le temps, j'écris des chroniques pour vous. Voilà. Alors, on commence cette semaine avec Laurent Wauquiez, hein, qui, dans Paris Match, a ouvert son intimité, ce qui ne veut pas dire qu'il s'est tranché le sexe en deux, mais qu'il a présenté au public sa journée type. Donc, le matin, petit-déj, hein, il sert du thé à sa famille, tout moulé dans son jean. Son fils se dit, si plus tard je suis bâti comme papa, j'appelle Marc Dorcel et je me lance. Puis il s'accroche à sa femme Charlotte, telle une moule à son poteau. Charlotte l'a dénoncé sur Twitter avec le hashtag balance ton porc en tant que frotteur. Ensuite, il contemple sa ville du Puy-en-Velay en se disant, c'est beau, mais vivement que j'ai un destin national, que je me casse. Enfin, il marche dans la nature et se fait prendre en photo. Comme ça, s'il veut se rabattre sur l'amour et dans le pré, sa fiche est déjà prête. Puis il enjambe une rivière super propre en respirant du bon air. Pour lui, un pic de pollution, c'est quand une vache à 20 km de là a des gaz. Enfin, il retrouve Assad, son cheval, seule créature moins bien montée que lui. C'est le seul actuellement avec Poutine à avoir envie de faire un câlin à un être qui s'appelle Assad. Alors malgré les protestations de l'animal qui a fait ce qui signifie non, on n'avait dit pas la langue, et ben Wauquiez a tenté le French Kiss. Hein. Pour lui, la chaîne Equidia, c'est une grande émission de speed dating. Alors dimanche dernier, le président Macron, Napoléon Junior, a parlé à la télé face à trois journalistes très polis qui ont tenu à ne pas l'interrompre. Alors il était beau, avec ses yeux bleus, sa paix en bleu, même si un jour les schtroumpfs déchirés au mélange salse pareil poppers font une orgie, il y aura moins de bleu. Un Macron séduit, clin, mais qui bouge. Il s'est exprimé dans un bureau à la déco atroce. Hein. Si vous plaquez d'Amido et que vous lui laissez les clés de chez vous, elle revient et fait ce genre de choses. Alors sur la cheminée, on a vu la fusée miniature de Macron. Par chance, il avait eu le temps de ranger toutes ses petites voitures. Et il est toujours super content de lui. Il a dit, les premières réformes, c'est fait en 5 mois. Il est à fond. Normalement, le 15 février prochain, le quinquennat, c'est plié. Je sais pas si Jean-Luc est prêt, mais il y a une élection, là. Alors, cette semaine, les écolos, les seuls à appliquer leur programme, puisqu'ils ont fait un parti biodégradable, là, il n'en reste plus rien. Eh bien, ont pris une douche pour informer sur les conditions de vie des migrants de Calais. Alors l'ont fait Eva Jolie et son regard inquiétant. Hein, c'est la seule qui, dans un remake de Psychose, jouerait à la fois la dame qui prend sa douche et Norman Bates, le tueur. Elle se poignarderait toute seule, tel un djihadiste suicidaire.
mais aussi José Bové. C'est la seule photo qui existe de José Bové prenant une douche. Même ses parents n'en ont pas. Il y a également Yannick Jadot, derrière un rideau de plastique. Il a la vie d'une tortue marine prise au piège dans un vieux sac Leclerc qui flotte, avec moins de charisme. Bien sûr, ce sont là deux fausses douches. Il n'y a pas d'eau. Mais Pascal Durand, l'écologiste anonyme, a quand même tenu à se mettre à poil. Il a dû faire l'acteur studio, vous le lâchez dans une piscine vide, il se met à nager tout nu au fond en criant « Venez les bonnes !» Ou alors, plus probable, c'est juste de l'exhib, je sais pas. Alors sinon, on a des nouvelles de François Hollande, le Bénil français qui est allé en Corée du Sud où il a croisé le Premier ministre Lee Nak-yeon. Hollande lui a parlé de son actualité, il lui a dit 11h05, je regarde Motus, puis je fais des mots mêlés, Julie me fait manger ma semoule. Puis il s'est énervé contre Macron, ça doit être la Corée qui fait ça. Kim Jong-un, Hollande, dès qu'on est en Corée, on pète un câble. Vous y lâchez Carla Bruni, elle fait du death metal. Hollande a fait une conférence rémunérée. Ils ont dû le prendre pour quelqu'un d'autre. C'est le seul à avoir sa tête sur grand écran sans s'être fait prendre à l'hôtel Mercure par Harvey Weinstein. Alors était également présent en Corée Jean-Vincent Placé. C'est la filière du recyclage. Les déchets nucléaires, on les envoie en Sibérie. Les politiques en bout de course, c'est la Corée du Sud qui nous les prend. Ça, c'est bien fait, quoi. C'est bien fait. Alors, cette semaine, Florian Philippot, le patriote solitaire, a fait la foire de Forbach. Il est passé devant le manège Bob l'éponge. On lui a dit que la veille, Pascal Durand était venu à poil se frotter contre l'éponge. Philippot a appris, regardez, à faire une pomme d'amour. C'est son premier job qui sert à quelque chose. Il est devenu forain. Il a investi sa prime de départ du FN dans l'achat d'une caravane 12 places pour caser tous les adhérents de son parti, que lui a revendu Kenji Girac. En 5 minutes, il a débité 24 pommes. Chirac a gagné en 95 avec 23 de moins que ça. Alors là, en ce moment, il est à la foire Saint-Romain de Rouen, à côté de la pêche au canard. Sinon, petite annonce, Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture, Mr. Glyphosate, a rencontré son homologue américain. C'est lui qui fait pousser les Frosties. Et ni l'un ni l'autre ne sait quoi faire de ses bras. Sa panse, c'est inesthétique, donc il les vend sur le marché du trafic d'organes. Voilà, c'est bon à savoir. Enfin, Carla Bruni le dit, Nicolas Sarkozy lui offre une vie sexuelle fantastique. Elle a de la chance. C'est les talons de Neuilly. Il a les glands des mocassins qui se touchent. Et entre deux coïts, il a déjeuné avec Wauquiez, à qui il a dit « Je t'embrasse pas, j'ai tout le corps en feu à cause de Carla ouais. ». Wauquiez a répondu « T'inquiète, j'ai déjà Charlotte et Assad, tout va bien ». Oui, Thierry à droite, on fait l'amour, mais c'est parce qu'on n'a plus que ça à faire. À tout à l'heure pour le retour. Et voilà, c'était Tanguy Pastureau. On le retrouve tout à l'heure pour les terriens de Tanguy Pastureau. Le retour. Les terriens du dimanche ont maintenant à nouveau carte blanche. On repasse en zone libre. Cette semaine, Raquel Garrido n'avait qu'un but, en savoir plus sur la marchandisation du football. On regarde. Cavani, Neymar. Moi, j'adore le foot, et ce soir, on est dans un temple du foot, le Parc des Princes. Mais ici, c'est aussi le temple du foot fric, du foot business. C'est difficile d'estimer combien coûte un événement comme le match de ce soir, mais on va essayer de faire des petits calculs. Commençons par Neymar. Je suis à plus de 8000 euros la minute. C'est-à-dire ce que quelqu'un au SMIC gagne en 7 mois. Cavani a marqué un but. On va voir combien il gagne, lui. 13 200 000 euros dans l'année. Pour une minute, il a gagné presque 3000 euros. On peut considérer qu'au final, une soirée comme ce soir coûte entre 2 et 4 millions d'euros. Ce qui fait d'un match comme ce soir un des événements publics les plus chers à produire en France. J'ai envie de vous parler d'une autre facette du foot. Et pour ça, on va aller dans une autre capitale du foot, Marseille. Me
Me voilà à Marseille, au Mucem, pour l'exposition « Nous sommes tous foot » qui, au contraire, veut mettre en lumière les valeurs sociales, culturelles et politiques de ce sport qui a la puissance de fédérer les nations entières. C'est un beau programme, n'est-ce pas? Allez, on y va. Bonjour. Bonjour. Voilà, la massification du football, la médiatisation extrême du football dans notre monde, tout d'un coup, aboutit à la fois à la starification du joueur de foot, mais aussi à sa marchandisation totale. Marchandisation, c'est-à-dire qu'on s'en sert comme un homme sandwich. Il devient support de publicité. Je peux t'emprunter ton rasoir, s'il te plaît? Le rose. C'est vrai qu'on les a mis un peu à toutes les sauces. Mais on va étudier dans l'histoire comment un certain nombre de footballeurs se sont levés à un moment donné pour dire non. À Madrid, Saturnino Navazo est un capitaine, un joueur de foot professionnel. Il est déporté dans le camp de concentration et d'extermination de Mauthausen avec tous ses camarades. Et puis, un beau jour, il fabrique une espèce de petite balle en chiffon et il commence à jongler. Un capot allemand vient le voir. Tu sais jouer au foot? Oui, je suis joueur de foot professionnel. Très bien, constitue une équipe. Si vous nous battez, vous les Espagnols, nous les Allemands, alors tu auras la vie sauve. Il a eu la vie sauve grâce au ballon. Donc le football, c'est aussi des histoires personnelles, des histoires d'engagement. Rachid Mekloufi, c'est le 11 de l'indépendance, le 11 du FLN. Un beau jour de 58, ils sont 11 à quitter la France. Et ces 11 terroristes, selon la terminologie de l'époque, tout d'un coup, vont parcourir le monde en expliquant que l'Algérie peut être indépendante, puisqu'ils ont déjà une équipe de football. Stamattina, mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina, mi sono alzato. So tell me please, pourquoi votre maillot de football est-il exposé ici? C'est mon histoire. J'ai grandi en jouant dans les rues étroites de Bethléem avec trois fois rien. Le principal obstacle était politique, car j'étais en zone de guerre, entourée de murs, des circonstances difficiles. Et bien sûr, il y a aussi les obstacles culturels et sociaux. Les gens pensaient que le foot était un sport réservé aux hommes. Et nous avons commencé à 5 filles et aujourd'hui nous sommes une centaine de joueuses palestiniennes. Nous avons une très bonne équipe nationale et nous méritons de pouvoir jouer au football dans tous les pays du monde. Voilà, bravo Raquel, c'est pas mal, j'aime bien. Toutes les personnes qui ont eu affaire avec cette super expo au Mucem à Marseille ont rédigé une charte. L'idée, c'est quand même de dire que le foot, c'est le sport du peuple. Voilà, et que le foot, c'est bien plus que ce qu'on en voit, voilà, les millions, la pub, la marchandisation. Il y a un certain nombre de valeurs auxquelles on est attaché. Et par exemple, dans cette charte, il propose que les chaînes de télévision cèdent gratuitement à tous les compétitions nationales et européennes. Par exemple, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, en France, pour voir un match de Ligue 1, 80% des matchs sont payants. Ça, c'est du peuple qui se fait ratiboiser. Vous savez pourquoi? Autre exemple. Parce que les chaînes qui sont payantes, elles achètent les droits très chers. Exactement, c'est pour ça que on la charte, ce qu'elle dit, tout non plus. Exactement, ce que dit la, en fait, ce que dit la charte, en fait, c'est qu'il faut que les fédérations obtiennent du fait qu'en fait, c'est gratuit. C'est pas le fait qu'il faut. Du coup, les chaînes, faudrait pas qu'elles l'achètent. Ce serait gratuit à la base. Ensuite, deuxième point, deuxième c'est proposition. C'est bisounours, hein. C'est quand même très bisounours. Ce que propose cette charte, pardonnez-moi, on peut en discuter. C'est Non mais vous, peut-être que ça vous intéresse pas le non, foot. Non, ça m'intéresse, mais vous dites qu'il faudrait qu'on fasse cadeau du football. Ce qui est important, c'est pas le cadeau. Le football, on l'a pas à l'acheter, c'est à nous. Tout ça. Donc il n'y a pas histoire de cadeau. Le football est au peuple. Bon, pardonnez-moi. Il y a un autre point, c'est que là, par exemple, on a parlé d'argent à propos du PSG. L'abonnement le moins cher aujourd'hui en virage au PSG, c'est 420 euros. C'est 10 jours de SMIG. C'est 3 secondes et demie du salaire de Neymar. Donc ce que dit cette charte, par exemple, c'est que dans les tribunes populaires, c'est la clause qu'on appelle la clause de la règle cantona d'occupation des stades, il faut que dans les tribunes populaires, il y ait des abonnements qui ne valent pas plus que 2 jours de SMIC. C'est 160 euros enfin, bon, en c'est France. C'est des vœux pieux. Non, c'est pas des vieux pieux. Parce que pardonnez-moi, ce sont des demandes, ce sont des demandes populaires et moi je les soutiens. D'accord, bon alors maintenant, attention. Attention. France,
De toute façon, j'ai trouvé ce reportage absolument formidable parce qu'il y a une dimension, effectivement, dans le foot. On est à Marseille, qui est une ville un petit peu où il y a beaucoup de communautarisme, pour ne pas se cacher. Et c'est vrai que c'est en même temps une ville très rassemblée, très étonnamment. Ah, mais c'est une ville qui s'aime. Tu vas au stade. Le stade, c'est la foi. C'est tout le monde Marseille. Et tout le monde est égaux. T'as les dealers blancs, les dealers noirs, t'as tous les dealers. Ça serait mieux si on pouvait supprimer l'argent. Oui, chez Raquel, je suis absolument désolé. Mais même, tu as un brassage des classes sociales. C'est-à-dire, tu sais pas comment ils viennent, comment ils se démerdent avec. Enfin bon, ils se démerdent. Est-ce qu'il y a tu as des pauvres, tu as des pauvres au milieu. Et ce que j'aime bien, oui, moi, dans le football. Et ça, attends, juste le termine. Moins cher au Vélodrome, c'est combien ? Je termine. Ce qui est extraordinaire dans le foot, c'est cette idée comme ça de messe, de rassemblement, de communion. Et je trouve que là-dessus, c'est presque. Parce que Dieu sait si c'est beau, les JO, mais c'est presque le sport le plus réussi de ce point de vue. Et Marseille ne serait pas Marseille sans l'OM. Bon, Natacha Polony, s'il vous plaît. Simplement, il faut tenir compte du fait que Raquel a raison sur un point. Le football, ce sont des investissements publics, il y a des centres de formation, c'est-à-dire que les pays payent pour les infrastructures, et surtout, le fric dans le football, ça n'a pas toujours existé, ce sont des lois qui permettent ça, la libéralisation des transferts qui a permis que ce soit un business d'ailleurs, où des agents se font un argent fou, ça n'a pas toujours existé, donc c'est pas une question de bisounours, c'est une question de réglementation, de régulation par l'État. Si on laisse faire totalement, petit à petit, ça va perdre toute cette dimension. Donc vous êtes pour la taxe Ruffin qui consiste à taxer les transferts. Voilà, il est là. Je suis surtout pour revenir sur la loi de libéralisation des transferts et pour revenir sur le fait que on permettait à n'importe quel club d'acheter n'importe quel joueur partout. Ça n'a pas toujours existé. Donc il y a un basculement au début des années 2000 et il faut revenir là-dessus. Effectivement, par exemple, avant, au Barça, il n'y avait pas de pub sur le maillot. Ce n'était pas concevable. Et un jour, quelqu'un a dit, ah, bah, tiens, on va mettre UNICEF. Et deux jours après, bouf, on a mis le Qatar. En fait, on est passé dans une nouvelle dimension aujourd'hui qui n'existait même pas il y a encore 5 ou 10 ans et qui aboutit à exclure le peuple de ce sport. Parce qu'en réalité, on a parlé du Vélodrome tout à l'heure. L'abonnement le moins cher au Vélodrome aujourd'hui doit être à peu près à 150 euros. Mais pardonnez-moi, 420 euros pour un abonnement, c'est cher. Il y a quelque chose de sensitaire et effectivement, la ferveur du stade, c'est très important. C'est le 12e homme et il ne peut pas y avoir de football sans les supporters qui sont en général exclus. D'accord. Voilà, okay, on a compris. Surtout qu'à Marseille, le foot est important parce que si tu enlèves le foot à Marseille, il ne reste plus que Plus belle la vie. Donc rien que pour ça. Antisocial, ouvert, on sent froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévice. Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe au street talk de Blaco. Et voilà. Alors, le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre de la Santé Agnès Buzyn viennent de présenter un plan de lutte contre les déserts médicaux. Stéphane Blakowski a lui aussi pensé à un remède, permettre aux vétérinaires de soigner des êtres humains. C'est le street talk de Blaco. On regarde. Les Terriens du Dimanche, vous le savez, ce n'est pas seulement une émission qui dénonce les problèmes, c'est une émission qui propose des solutions. Prenons l'exemple des déserts médicaux. Tout le monde sait qu'on manque de médecins généralistes dans les zones rurales. Alors est-ce que la solution, ce ne serait pas que les Français qui habitent à la campagne aillent voir le vétérinaire ? Puisqu'il manque de médecins à la campagne, est-ce que les gens qui manquent de médecins pourraient pas aller voir le vétérinaire ? Le vétérinaire ? Chez le vétérinaire ? Vous pensez que les vétérinaires sont compétents sur les humains aussi ? Bah, ils ont fait 7 ans d'études quand même. Ah, d'accord, alors oui, bah, dans ces cas-là, je vois pas... Oui ? Oui, mais c'est pas les mêmes produits, ils ont pas les mêmes spécialités, je pense pas. Bah, c'est les mêmes produits, les médicaments qu'on prend, ils ont été testés sur les animaux avant. C'est un peu pareil, on a un cœur, des poumons, le sang qui circule... Ouais, non, vous me comparez à un bootleg français, quoi. Quand vous allez à la campagne... Bah pourquoi pas, ouais. Vous m'avez retourné, d'accord. Psychologiquement, les gens, ça, je sais pas s'ils sont prêts à y aller voir un vétérinaire à la place d'un médecin. Moi, j'irai pas chez un vétérinaire. C'est une question de label. C'est une question de titre. Il n'y a pas marqué médecin pour humain. En fait, un médecin, c'est un vétérinaire qui est spécialisé dans une seule espèce. Dans l'espèce humaine. Bah voilà. Bon, ça ressemble un peu quand même. Il suffit de tâter un peu le museau pour savoir si ça va. Ah ouais. Hein ? Moi j'ai la truffe fraîche. Ah bah voilà. Moi si c'est pareil. Voilà. Donc ça va bien. Vous devriez proposer ça à Macron. Je pense qu'il va aimer.
Ouais, peut-être qu'effectivement, si j'étais en campagne, je me dirais, bah allez, j'y vais. Bon, après, ici, effectivement, je le ferais pas, parce que je sais que j'ai quand même un médecin à proximité. Pour la campagne, pourquoi pas? Pour la campagne, pourquoi pas? Les Parisiens, c'est le médecin, les campagnards, c'est le veto. Ouais. Donc finalement, entre pas de médecin et un vétérinaire... Eh ben, vaut mieux un bon veto, hein? Qu'un mauvais médecin. Exactement, qui connaît bien son métier. Bravo, bravo et merci à Stéphane Blakowski. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'en 2011, Françoise Tenenbaum, une élue socialiste de la Côte d'Or, avait proposé de faire appel à des vétérinaires en cas d'urgence pour pallier le manque de médecins dans les déserts médicaux. Vous avez vu travailler des vétérinaires, ils savent tout faire. Oui, ça vous plaît. Parce que, bah oui, parce non, que... ça nous plaît. Non. Je m'interroge des mérites respectifs du vétérinaire par rapport au chirurgien dentiste ou au pharmacien. Parce que quand même, peut-être que ça serait mieux de tomber sur un dentiste ou un pharmacien. J'y connais pas grand-chose, ouais. Mais je pose la question à titre public. Et ça ne manque pas de courage. Tu poses les grandes questions. Non, là, non, il charrie, là. Ah bon, c'est de la démagogie, ça. Oui, oui, mais il est très démago, quand même. Attends, un vétérinaire... Attends, les grands chirurgiens... Qui explique un certain déficit de popularité. Oui, mais enfin, pour les médecins spécialisés, de toute façon, ça ne peut pas être les vétos. Mais je veux dire, comme généraliste, pourquoi pas? Non, mais attends, un vétérinaire, ça s'occupe de poules, d'éléphants, de tout ça. Non, mais... Moi, je ne suis pas d'accord pour que ça s'occupe. Il doit avoir comme quelques notions. Bah oui, il a des notions. James Starr, est-ce que vous iriez voir un vétérinaire? En cas d'urgence, pourquoi pas? Si une amie à moi a besoin d'accoucher, oui, peut-être. Ah oui. Oh, un peu dépanné. Raquel, Jacques Macron va la faire. Peut-être que pour les porcs qui ont été balancés dans Balance ton porc, eux, on peut les envoyer chez les vétérinaires. Ouais. Excellent. Et maintenant, c'est l'heure du choix. Voici À sa place. Cette semaine, les chroniqueurs se mettent à la place de la France. Que faut-il faire des djihadistes qui reviennent de Raqqa? Gilles William Golnadel. Ah bah, moi, si je suis la France, et puis je suis un peu la France. T'es un peu la France. Il n'est pas question qu'il y en ait un qui rentre. Ah ouais. Au nom, justement, de la vie des gens qui vivent ici, parce que ces gens-là sont effectivement extrêmement dangereux, extrêmement haineux. Le problème, c'est qu'on a eu un président Hollande qui, au lendemain, des attentats qui ont suscité l'émotion que vous savez, a dit on va déchoir de la nationalité tous les types. Ça voulait dire comme ça, il pourrait pas entrer en France. La France entière était d'accord avec ça, la France entière. Et puis il y a eu des soi-disant défenseurs des droits de l'homme qui sont défenseurs de rien du tout, qui s'y ont opposés. Et M. Hollande a calé au bout de quelques temps. Et du coup, maintenant, on a un vrai problème juridique, y compris par rapport aux doubles nationaux qui peuvent paraître parfaitement... Mais qu'est-ce qu'on fait des djihadistes, alors? On leur dit parce merde. Parce qu'ils ont des familles aussi, les djihadistes. Mais on ne va pas séparer les familles non plus. On va dire, on ne va pas séparer les familles. Ils ne rentrent pas. Ils vont dans un autre pays. Mais il y a un devoir sacré pour les responsables français. C'est de défendre leurs concitoyens. Au nom de quelle sensiblerie on va accepter de faire rentrer à l'intérieur du pays des gens qui sont... absolument pas nos concitoyens. On les reprend pas, ils rentrent pas en France. On les reprend pas. Ils vont où, au Qatar? Mais je m'en fous. En Arabie Saoudite? Ils vont au Qatar, en Arabie Saoudite, ils restent en Syrie, ils vont en Irak, ils vont ce qu'ils veulent, mais ils ne rentrent pas chez nous au nom de la sécurité de nos nationaux. D'accord, voilà la réalité. Votre position est très claire. Monsieur Gisbert. Tu as répondu un peu facilement. Parce qu'il y a un cas un peu embêtant, et c'est celui-là qui est posé à travers la question, tu as répondu à côté. C'est qu'est-ce qu'on fait des djihadistes français qui arrivent avec des enfants français? C'est ça la question. Parce que s'ils sont étrangers, évidemment, il n'y a pas de problème. Allez, va au Qatar, tu feras ce que tu veux. Là, le problème, c'est qu'il y a des Français. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des lois, il y a des règles. Alors, ils peuvent aller dans un pays, en Turquie ou ailleurs, faire des plaintes devant la commission, devant la communauté européenne, etc. De toute façon, ils gagneront. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a fait des gens de la LVF, la Légion des volontaires français, qui étaient partis se battre avec les nazis sur le front de l'Est? Qu'est-ce qu'on a fait quand ils sont revenus? Eh bien, quelque chose d'à peu près semblable. On les a fusillés, je suis désolé. Non, quelque chose d'à peu près semblable. C'est-à-dire, en fait, à l'époque, c'était la prison. Ouais. Et puis, des longues peines de prison. On en a fusillé aussi. Pas mal. Ouais, enfin, et c'était une bonne chose. De toute façon, il n'y a plus de peine de mort en France. Et bah, donc, on fait comment? Ils sont français.
Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas les déchoir. Je t'ai donné la réponse. Simplement, tu les déchoir. Oser dire. Non, non, enfin, tu peux pas les déchoir. Mais si les doubles nationaux. Non, ah non, mais monsieur, il a trouvé la solution. La plupart ont la double nationalité. Non, non, c'est incroyable. Il y en a qui sont complètement. Il y en a qui sont complètement. Oui, il y en a. Français. Oui, c'est ce sujet-là qui est posé. Là, je crois qu'il faut oser dire, on les met dans des camps de rééducation. Le on leur lave le cerveau, voilà. Ce que faisait au chimie. On leur lave le cerveau, non. Non, c'est la solution au chimie. On leur fait découvrir la vie qu'ils n'ont pas découvert. On leur lave le cerveau. Non, enfin, on les réduit. Absatou, après on passera de l'autre côté. Absatou. On est en France et ces djihadistes qui sont français, quand ils reviennent, j'aurais tendance à dire que... La France se doit de les gérer parce que ce sont les enfants de la République qui ont dévié et qui sont partis. Les enfants de la République qui nous ont tiré dessus au Bataclan. Je peux finir. Laisse-moi aller au bout de mon propos. Ouais. Je peux finir. Ouais. À partir du moment où je peux terminer, supplie-moi encore. Mais laisse-moi terminer. Qu'il pense que tu t'en mais oui, mais parce qu'il est toujours en train de prédire ce que je vais dire. J'ai pas terminé. Donc, prévisible. Laisse-moi. Non, c'est pas prévisible du tout, justement. Attention. Donc, je disais que ces gens qui partent effectivement, mais qui sont français. La France, elle a plein d'enfants qui se filent droit et d'autres qui filent pas droit. J'aurais tendance à dire que c'est la un France. Euphémisme. Je finis. C'est un je finis. Ça te tue de me laisser parler. Ah, j'adore. Tu vas pas mourir. J'adore. Calme-toi. Donc super je disais. Couple, hein. Non mais je jamais. Arrête. Pourquoi je préfère mon mec. Quoi oh. Bah, j'en sais rien. On non, sait comment ça va finir. Je, ouais, bon. Je peux finir. Ouais, je les... Elle est vieux là. On se tait. Ou je te mets en maison de retraite. Bon, qu'est-ce qu'on en fait? J'aurais tendance à dire que la France, elle doit gérer ses enfants qu'ils aient dédiés ou pas. Maintenant, moi, je suis désolée. Je me mets à la place des victimes d'attentats. Ah. Je me mets à la place de ces gens qui ont perdu des êtres, qui leur étaient proches, qui n'ont rien demandé à personne et qui étaient eux aussi des enfants de la République. Et quand je pense aux victimes, je pense qu'on n'a pas le droit de laisser ces gens revenir. Ils sont partis pour aller se battre ailleurs. Non, mais OK, mais à un moment, la sanction, elle doit être aussi d'accord. Peut-être bah, que les dégâts. C'est typiquement... Oui, alors tais-toi. Elle a mis deux gens pour dire comme moi. T'en méfies, ça. C'est typiquement du Macron, en même temps, Bon, Jérôme, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je suis pour qu'on arrache la mauvaise herbe et que ces djihadistes soient éliminés via des exécutions extrajudiciaires. Non, vraiment, parce que, voilà, c'est hors de question qu'on les accueille de nouveau ici. Comme dit Rachida Dati avec des drones, quoi. Ouais, et je voudrais parler aussi des femmes de ces djihadistes qui, pour moi, sont des complices d'avoir nettoyé les treillis de ces djihadistes, d'avoir essuyé le sang de tous ces hommes qu'ils ont égorgés. Donc je pense que, tout simplement, il faut juger ces femmes comme des complices, des criminels de guerre. Il faut évaluer leur degré... Non, mais c'est vrai, il faut... Au contact de Golnadel, il change. Il faut évaluer leur degré d'implication. Donc il faut un tribunal de guerre. C'est très bien, ce garçon. Très bien. C'est mon fils qui rituel. Oh merde. On est mal barré. Natacha. D'abord, je voudrais dire bravo à Jérôme Star pour une raison. Je n'en peux plus d'entendre depuis quelque temps des gens dire « Ah oui, mais les femmes, quand même, elles ne se sont pas battues. » Le plus grand des féminismes, le plus grand des respects pour ces femmes, c'est de considérer qu'elles étaient parfaitement conscientes quand elles y sont allées et qu'elles méritent autant que les hommes de payer pour leurs actes. D'accord, donc pareil. Alors, deuxième chose... Qu'est-ce que vous leur faites? La ministre des Armées, Florence Parly, a déclaré la semaine dernière que les djihadistes français, eh bien, s'ils mouraient au combat, c'était tant mieux. Et c'est la première fois qu'une ministre ose dire clairement ce que tout le monde pense. Dernier point, pour ceux qui ne meurent pas au combat, la France est en train de les laisser, pour l'instant, aux mains des forces irakiennes et des forces syriennes, qui vont les juger pour ce qu'ils ont fait sur place à la population. Avec parce une que les premiers qui ont payé, ce sont les habitants de Syrie et d'Irak. Et ceux qui sont battus, c'est les Irakiens, c'est les Kurdes. Raquel Garrido, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Alors, d'abord, aujourd'hui... Ils arrivent à la frontière, bonjour, on est les djihadistes. Alors, attendez, ils arrivent déjà, Est-ce qu'on peut en parler de ça? Ils arrivent déjà, aujourd'hui, ils sont pris en charge aujourd'hui, concrètement, ils sont pris en charge par la DCRI, qui fait des évaluations. Tu disais, il faut évaluer leur... C'est les renseignements intérieurs. Il disait, il faut mesurer leur dangerosité, leur degré d'implication, etc. Qu'est-ce qu'on leur fait? Ce fait aujourd'hui, ils sont la plupart sont en détention. Mais qu'est-ce qu'on leur fait? La plupart sont en détention aujourd'hui. En France, ça existe déjà. Voilà, nous sommes. Voilà, il y a des gens qui rentrent déjà et qui vont en prison. Il y a des règles. Sur cette affaire depuis le début, je pense que sur ce plateau, il y a une immense hypocrisie. Je pense qu'il faut être honnête
et arrêter l'hypocrisie et de dire il faut des camps. Voilà. Et on les règle, il n'y en aura pas forcément des masses. Parce intelligence avec l'ennemi, c'est dans le code militaire, c'est 30 ans de réclusion. Ben oui, voilà. Ben oui, mais alors à ce moment-là, on les... Non, non, mais quand j'ai des camps, c'est des camps. C'est des camps parce qu'il faut les juger. Non, enfin, il faut faire des procès. Mais, c'est, voilà. Donc, ça s'appelle donc, la détention. Là où vous êtes encore dans l'angélisme. Non, mais c'est quoi pas tellement. Moi, je trouve qu'ils ne sont pas tellement dans l'angélisme. Non, parce que tout de suite, je sais, quand on dit les camps, tout le monde va crier Guantanamo. Mais je m'en fous. Bien entendu. On s'en fout. C'est pas le problème. Il faut faire des camps. C'est que les types qui arrivent. Ils font les gentils, ils t'expliquent qu'ils n'ont rien fait là-bas. Il n'y a pas beaucoup de preuves sur ces mecs-là. Ils t'ont expliqué, ils ont soigné les malades, ils donnaient des cours, ils donnaient des cours de du Coran, je ne sais pas quoi. Donc on a une très grande difficulté à pouvoir leur appliquer intelligence avec l'ennemi. Il faut savoir comment ça se passe. On est dans un pays de droit. Je vous dis qu'il y avait une recette qui est encore possible de déchoir au moins les binationaux de la nationalité française. Ils n'ont rien de commun avec nous. Je refuse de les appeler mes concitoyens. Oui. Ces types-là, ouais, ces d'accord. types-là. Est-ce que toi, tu es binational? Et les nationaux, qu'est-ce que tu... Est-ce que toi, tu es binational? Tu es binational? Juste les nationaux. Bon, alors, explique-moi bien pourquoi est-ce que toi, tu es différent que quelqu'un qui est juste français. Mais il t'a pas échappé que je n'étais pas terroriste, Raquel? Non, mais sauf que les règles... C'est un petit détail. Non, c'est pas un détail. Ce n'est pas un détail. Malignant. Moi, je pense... que s'ils reviennent, il faut qu'on les oblige à s'abonner à Charlie Hebdo. Voilà. Et maintenant, alors là, on va jouer au winner de l'actu. Et voilà, dimanche dernier, c'est Jérém Star qui a gagné. Qui remportera l'ours rouge cette semaine? Alors voilà, donc pour répondre, il faut appuyer sur le buzzer tactile qui est devant vous. Le premier qui buzz est le seul à pouvoir répondre. Chaque bonne réponse vous rapporte un point. Chaque mauvaise réponse vous en enlève un. Attention, là il n'y a plus d'amis, il n'y a plus rien. C'est chacun pour sa gueule maintenant, attention. Chacun pour sa gueule. Que révèle le magazine Valeurs Actuelles au sujet du débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron en mai dernier? Marine Le Pen avait reçu en avance les thèmes abordés au débat. Emmanuel Macron n'avait eu aucune note pour le débat. Marine Le Pen avait pleuré à la sortie du débat. Emmanuel Macron avait porté des pantoufles tellement il était à l'aise. Ça fait le mec qui lit Valeurs Actuelles. C'est, je crois qu'elle a pleuré à la sortie du débat. Absolument. Bravo! Ouais. C'est bien, Valeurs Actuelles. C'est le mec, j'écris dans Charlie Hebdo et je lis Valeurs Actuelles. Ah, merde. Alors, avec les événements en Catalogne, on parle beaucoup de Carles Puigdemont. Savez-vous pourquoi il porte cette coiffure ridicule? C'est un fan des Beatles. Il porte la même coiffure depuis l'adolescence. Sa coiffure cache une cicatrice. C'est la coiffure typique des Catalans. J'aime ça. Sa coiffure cache une cicatrice. Absolument. Bravo. Il a eu un accident de voiture. En fait, Puigdemont, c'est Harry Potter. Oui, c'est ça. Il a une gueule de con. Faut bien ouais. Faut, ah, ça, il a, et là, il a perdu il la tête. Drôle de tronche. Ouais, mais là, il est perdu. Il a mort. Là, ah oui, là. Mort, aux États-Unis, que vise la loi actuellement débattue par le Congrès américain? L'interdiction du tir sur des bouteilles de verre, l'interdiction de la vente de fusils longue portée, la libéralisation de la vente des silencieux pour protéger l'ouïe des tireurs ou l'obligation du port du gilet pare-balles pour les grooms dans les hôtels. C'est trop rapide. Comme un amour, je suis super rapide. C'est l'interdiction de la vente de fusils longue portée. Je crains qu'il n'ait raison. Ce serait bien, mais je sais même pas si c'est... Toi, tu dis les fusils longue portée. Ouais. Moi, je dirais non, les silencieux. Attends, j'ai raison ou pas? J'ai un star. L'interdiction du tir sur bouteille de verre. Non. Oh, merde, les silencieux. C'est à tout. La libéralisation de la vente des silencieux pour protéger l'ouïe. Voilà, oui. Il l'a dit. Je dis à moi. Il l'a dit. Mais t'as pas appuyé. Mais ça pue pas. Le point pour Absatou. Incroyable. Alors,
À votre avis, pourquoi le projet artistique néerlandais Domesticator a failli ne pas être exposé à la Foire internationale d'art contemporain de Paris cette semaine? Parce que le jardin des Tuileries n'est pas assez grand pour accueillir l'œuvre, à cause de son architecture choquante en levrette, à cause de l'épaisse fumée verte odorante dégagée par l'œuvre lors de son happening, ou parce qu'il représente un bébé géant décapité. Levrette. Levrette. D'accord. Natacha choisit la levrette. Elle a raison. Elle a raison. En quoi, dans notre société permissive, on peut maintenant refuser la levrette alors qu'il y a eu le plug anal. Merci. Qu'a récemment proposé la ville de Roubaix à ses habitants du travail. Un concert sans animaux en hommage à Pierre Bachelet. Des maisons à vendre pour 1 euro afin de lutter contre la vacance des logements. La distribution de paniers de légumes bio gratuits. La gratuité des consultations généalogiques pour lutter contre la consanguinité. Natacha, je pense que je me plante, mais je dirais des maisons à vendre pour 1 euro. Bravo, Natacha Polony. Ils ont mis 18 millions à vendre. Vous voulez une info? Tu sais où est enterré Pierre Bachelet? Non. À Saint-Tropez. Ah ouais, il est pas con, lui. Je vous jure, c'est vrai. Ah, il est pas con, le mec. C'est pas con, hein. Ouais, c'est pas con. Quelle mesure Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, a mis en place pour faire des économies dans son secrétariat? Il lit tout. Elle a demandé à ses employés d'utiliser des Uber plutôt que des taxis. Elle fait elle-même le ménage dans son bureau. Elle a remplacé l'eau minérale par des carafes d'eau de la ville. Elle a aligné les salaires des hommes sur celui des femmes. J'espère qu'elle a aligné les salaires des hommes avec celui des femmes. Et que c'est pas l'eau. Les carafes d'eau. Les carafes d'eau. Natacha Polony. Non mais... J'ai appuyé il y a 25 minutes. Oui, moi non plus. J'ai appuyé il y a 25 minutes. Mais t'as la dernière question avant d'appuyer. Non, simplement, c'est truqué. Simplement, est-ce que c'est parce que je suis un hétérosexuel blanc? Je me pose la question. C'est la seule explication rationnelle. Bon, attention. Pour quelle cause les habitants de la ville de Bayonne ont-ils manifesté récemment contre les ordonnances Macron pour l'indépendance du Pays basque, contre la maltraitance des cochons destinés à la fabrication du jambon de Bayonne, contre la pluie? Contre la maltraitance des cochons? Non. Contre la pluie? Oui. Mais est-ce que c'est comme dans les manifestations de Raquel Carrido, ça veut dire qu'ils sont 3, ils disent qu'ils sont 1000? Là. Non, non, ah, ça, c'est bien. Météo national, météo du capital. Ça, c'est pour les manifs sous la pluie. Hein? C'est nous qui allons manifester sur la pluie pour vos droits, madame. Ah oui, Manifeste pour moi-même. Restez-y. Ah, j'ai bien aimé. Sous la pluie, ça, c'était bon. C'était pur. C'était bon, ça, ouais. Bon, attention. Maintenant, de toute façon, on s'en fout parce que celui ou celle qui va gagner. Exactement. Mais gagne tout. On peut faire un test. Oui, normalement, c'est dans les gens qui sont proches. Et un test, hein. Test à Jérémy. Un test, hein. Ça sert à quoi de jouer? Au bout de 10 minutes, hein. Bon, et là, on a la preuve que tu nous racontes des conneries. Ouais, d'accord. Attention, c'est l'heure du Super Banco. Earth, Wind and Fire. Pa. Dans un rapport à paraître, que préconisent les économistes du Fonds monétaire international pour renouer avec la croissance mondiale?
privatiser les entreprises publiques, baisser les impôts de manière généralisée, augmenter les impôts des riches ou légaliser le cannabis. Privatiser les entreprises publiques. Déjà c'est fait. C'est légaliser le cannabis. Non. Augmenter les impôts des riches. Oui. Discours de Christine Lagarde à Harvard le 5 octobre 2017. Donc c'est un truc, c'est-à-dire le Fonds monétaire international va augmenter les impôts des riches. Non, c'est une préconisation qu'ils font dans leur truc. Ouais. Pas du tout. Ce serait une solution. Oui, bien sûr, c'est pas absurde du tout. Hein. Ah bon ? Oui, oui, bien sûr. Quand tu regardes aujourd'hui, il y a qu'en France et en Espagne, par exemple, en Europe, qu'il y a l'impôt sur la fortune. Oui. Il a disparu partout. Oui. Tu vois ? Alors qu'il vient de remettez-en un peu, tu vois ? D'accord, un peu d'ISF dans les pays qui n'en ont pas. Ou pas forcément de l'ISF. L'hyperaccumulation n'est pas bonne pour l'économie parce qu'il faut que l'argent circule dans l'économie. Tu crois en ruissellement, toi ? Non, justement, c'est l'inverse. Non, mais... Si tu accumules, hyperaccumules pour certains, en fait, ça ne ruisselle pas. Et le FMI dit pour relancer la machine, d'accord, il faut imposer les riches. Et cette semaine, c'est Jérôme Star qui remporte l'ours rouge. Natacha, la vie est injuste. Mais, oui, c'est ça que je comprends pas. Donc en fait, c'est pas la peine de se fatiguer sur les questions d'avant. Il fallait dire tout de suite. Tout compris. C'est les règles du jeu imposées par la production. Voilà, on passe à la preuve par l'image. Donc après Stéphane Bern, La République En Marche souhaite confier des missions à d'autres célébrités. En ce moment, le parti teste même des noms dans les rues. Voici la caméra cachée de Walid Afkir. C'est mon préféré. Excusez-moi de vous déranger. On fait partie du mouvement En Marche. On fait une petite enquête auprès des Français. Je ne sais pas si vous avez entendu, le gouvernement a nommé Stéphane Bern chargé de mission au patrimoine. J'aime bien cette idée de faire appel à des gens à qui on ne pense pas a priori et qui peuvent créer quelque chose de nouveau. Moi, ce que j'aime bien chez Macron, c'est ça. On pensait à Michel Drucker, chargé de mission pour les personnes âgées. Vous pensez que c'est une bonne idée ? Ah oui, il est à la retraite, oui. Oh, déjà, il est à la retraite et puis surtout, il est aimé. Michel Simès, chargé de mission pour la santé. Surtout pas. Non ? Mais non, un mec qui a une chronique sur une radio le matin, ça n'a aucun intérêt. On voulait mettre quelqu'un chargé de mission pour la cause d'Alzheimer. Oui. On pensait à Nagui, qui présente l'émission N'oubliez pas les paroles. Oui. Vous pensez que c'est une bonne idée ? Le chanteur Renaud. Ouais. On a pensé à lui pour la sensibilisation de l'alcoolisme auprès des jeunes. Je sais pas du tout. Hein, sur l'alcoolisme, Renaud. Ah, ça, il est bien placé pour en parler, mais... Thierry Ardisson, vous connaissez ? Bien sûr. On pensait à lui pour la dépénalisation des drogues. C'est une très bonne idée. Hein, c'est un sujet qu'il maîtrise. C'est une très bonne idée. Ardisson, il est spécial. Il est comme le vent. Un jour, il vient par là avec les écologistes. Un jour, il vient par là. La drogue, c'est spécial. Chargé de mission contre les agressions sexuelles, on pensait à Laurent Baffy. Non, lui, il raconte des conneries. Il faut quelqu'un qui est bien, qui est dur. Qui connaît les agressions sénégalaises. Ouais. Bien sûr. Bah, Hanouna, par exemple, pour la simplification des programmes scolaires. Mais ça, c'est de l'enfumage. Oui, mais bon, enfin... C'est... En fait, c'est comprendre les Français, bon, leurs affinités, pour pouvoir les manipuler après en leur mettant des têtes qui n'ont rien... Non, c'est pas les manipuler, c'est juste leur donner l'illusion, voilà, que... Ah, bah, dans leur donner l'illusion, c'est bien ça. Plaza et Valérie Damido pour charger de mission au logement. Ouais, enfin, c'est bizarre, quoi. C'est-à-dire ? C'est des présentateurs, ils font un peu les rigolos, quoi. Il y a Florent Pagny pour la fiscalité des artistes. Ouais, ça c'est bien aussi, ouais. Non, alors, il y en a un paquet pour la fiscalité des artistes, hein, quand même. Nabila pour charger de mission pour le droit des femmes. Oh la vache, hein. Ouais, mais elle est connue, elle est aimée par les Français. Ouais, non, alors moi je suis moins... Là. J'aurais moins convaincu, là. Ouais, okay. Ouais. On demande pas en politique de plaire à la France, on demande de faire ce qui est bien pour la France. Fuite des stars de télé-réalité pourries... Ça sert à rien. Alors, non, si c'est vraiment, enfin, moi je fais partie du mouvement En Marche. Hein. Ouais. Faut s'arrêter là. Ouais. Enfin, Michel Drucker, il faut des gens complets. Enfin, non, c'est une blague. Mon député, ce soir, je veux dire que vous ayez une.
Vous êtes... Mais pourquoi? Je comprends pas. Si c'est vraiment vrai, c'est déconné. Nabila, pour les femmes, c'est pas... C'est pas ça, on sent que c'est pas... Non mais allô, quoi, ça va, ça passe. Non mais sérieux. Extraordinaire. C'était trop beau. Bravo. Bravo. Wally Lafkir, merci. Il est extraordinaire, hein. J'aimais Walid. Ah ouais, j'aime beaucoup. Aussi. J'aime beaucoup. C'est la découverte de cette émission. Ah, mais je trouve que c'est une personnalité rare et je lui prédis un avenir formidable. Eh oui, c'est le retour de Tanguy Passion avec les terriens de Tanguy Passion. Et on recommence, Thierry, avec le président Macron qui a passé la semaine à se faire filmer en train de marcher. Il a la vie de Théo, mon petit neveu d'un an et demi. Alors, il a d'abord marché vers Philippe Martinez de la CGT. Bonjour, belle moustache. Allez, tu viens, Super Mario, allez, viens. Ensuite, il a marché vers Alain Griset du syndicat UDP. Salut, je ne sais pas qui tu es, mais viens quand même, on s'en fout. Voilà. Puis, il a marché vers Philippe Louis de la CFTC. Hein, hop, 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 mais où il est ce con? Ah, le voilà, salut feignant, allez, viens, viens, viens. Voilà, c'est pas un président, c'est un randonneur. Hein. L'Élysée est devenu un vaste GR, sauf quand il reçoit Laurent Berger de la CFDT, où là, il part presque en footing, hein. Regardez. Hop, oh là 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 là, faut que je m'arrête, hein. Salut loser de l'ancien monde, allez, viens, 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 viens. Enfin, il a discuté avec son maître de stage, hein, Pierre Gattaz, qui lui a dit, tu les as embobinés, les autres ploucs, comme je t'avais dit. Il a répondu, je sais pas, mais en tout cas, je me suis bien, bien dépensé. Cette semaine, les Macroniens ont bossé afin d'imiter leur gourou Macron qui dort 17 minutes par nuit. Un rêve érotique pour lui, c'est une fille en doudoune qui dit « Ah, il fait chaud, je vais me déshabiller. » Et paf, il se réveille. Alors Cédric Villani, député En Marche, a inauguré la fête de la science. Alors c'est le seul niveau couleur à accorder sa lavalière à sa pipette. C'est le fils caché de Meg Lesguy et Christina Cordula. Alors il a toujours un gros nœud, hein, comme un cadeau de Noël, mais quand on le défait en dessous, il y a juste un fan de Macron, quoi, la déception. Et lui, impossible de le revendre sur eBay. Les gens veulent déjà pas chez eux de migrants syriens, c'est pas pour se taper le professeur Foldingue. Annick Girardin, ministre des Outre-mer, a reçu des députés antillais sapés en salopettes et chaussons. Donc ça y est, c'est officiel, il n'y a plus de dress code. Hein. Castaner peut ressortir son pantacourt. Françoise Nyssen, ministre de la Culture, a bougé son corps au concert d'Eddie Mitchell. Elle a le même groove qu'un renard empaillé. Tandis que Colomb a tapé des mains à contre-temps. Hein, si Ike et Tina Turner avaient été sourds, cul-de-jatte et blanc, ça aurait donné ça. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, a fait construire à de pauvres gosses une machine à gonfler les ballons. Ouais. Hein, ça, c'est les technocrates. Il y a juste besoin de 3 secondes et de ta bouche, mais ils te font monter pendant 16 jours un appareil qui fait la même chose en moins bien. C'est la meilleure métaphore de l'Europe de Bruxelles. Voilà. Message. Natacha est contente. Souverainisme représente. Alors, Laura Flessel, ministre des Sports, est-elle allée dans les vestiaires des Bleus où elle a croisé de grands types musclés et quasi nus? Elle a la même vie que si elle faisait de la prison, mais sans savonnette. Puis, elle a visité des bains municipaux. En fait, elle ne voit plus que des gens à poil. Hein, ce soir, elle fait le repas de fin de saison des boîtes du Cap d'Agde. Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture, a traîné Macron à Rungis, hein, où le bonhomme CTLM, qui doit être en marche, regardez, a tenté sur lui le sexe oral. Bruno Le Maire, lui, s'est rendu aux États-Unis où il a rencontré la boss de la réserve fédérale, hein, qu'il a essayé de taper de $50 pour renflouer notre budget, parce que la mascotte CTLM, une fois qu'elle a profité de Macron, s'est cassée sans même lui laisser son numéro. Puis il a vu Christine Lagarde, à qui il a offert un tapis de sol qu'elle a immédiatement mis sur elle. La patronne du FMI, hein, qui occupe l'ancien bureau de DSK, un pionnier 10 ans d'avance sur Weinstein. Il avait, pour une fois, on est premier sur un truc, il faut que ce soit ça. Quoi. Enfin, ça y est, fini tatayé. Nicolas Hulot a lui aussi sa marionnette, hein, Robert, qui l'a enfilé et qui est bio puisque c'est une vraie personne. Alors à gauche, on s'est rassemblés pour soutenir Philippe
Christman, un syndicaliste menacé de prison pour avoir jeté lors d'une manif des confettis. Hein, il bosse depuis à la section CGT du Carnaval de Nice. Alors on y a vu Coquerel, Mélenchon et Alexis Corbière qui tentaient d'exister sur la photo. Hein. Coucou, je suis là aussi. Mélenchon a croisé Christman. Hein, il s'est dit le mec a jeté des confettis, c'est le bézu communiste et il a démarré une chenille avec lui par devant. Mélenchon, qui est une idole chez les jeunes, hein, le plus gros concurrent de Jérémy Star, c'est Mélenchon. Regardez, il a croisé des lycéennes gaulées dans le noir, il a la vie de Jean-Luc Lahaye. Il a fait des selfies et il dédicace même des t-shirts. Hein, il signe aussi les slips. Les images seront disponibles sur le DVD La France Insoumise Interdite. Alors sinon, Christiane Taubira, regardez, a visité les ruines du socialisme. Et Jack Lang a croisé des rappeurs à qui il a appris à compter jusqu'à 3. Hein, il est tellement jeune dans sa tête que quand il voit Mélenchon, il lui fait des bisous. Enfin, on a retrouvé Jean-Louis Borloo, qui a fait une réunion avec Pécresse et qui a la grande forme, c'est-à-dire qu'on dirait qu'il sort de 18 mois de Koh-Lanta. Il a bien sûr été redirigé vers la station de lavage L'Éléphant Bleu. Quant à Olivier Faure, le jeune loup du PS que personne ne connaît, il a posé dans Libé, allongé sur un canapé, les mains sur les cuisses, les jambes écartées, semblant dire « Servez-vous, il y a moins 50% sur ma rose ». Hidalgo, il y a 8 jours, toujours dans Libé, regardez, avait fait pareil. Canapé plus liquette en cuir, tous les socialistes finissent sur un canapé à croire qu'ils ont besoin de parler. Alors moi, je ne lis plus Libé, mais je lis le catalogue Fly, hein. C'est pareil, mais en mieux, puisqu'il n'y a pas de socialiste. Voilà, c'était une semaine sur la Terre. Salut les terriens. Bravo, c'est des candidatures qu'on retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur C8.fr. Les terriens du dimanche ont maintenant carte blanche, on passe en zone libre. Alors les prix des péages ne cessent d'augmenter, l'État n'y met aucun frein. Natacha Polony a enquêté sur la route de la fortune. Oui, enfin, route de la fortune, une grosse arnaque, hein. C'est l'autre nom. En France, les autoroutes, c'est en moyenne 10 centimes le kilomètre. Sauf qu'il faut savoir que ça a explosé. C'est-à-dire que, par exemple, regardez sur cette animation, Rouen-Tours, c'est plus 29% depuis 6 ans. Chambéry-Genève, c'est plus 22%. Bordeaux-Rochefort, plus 17%. En fait, sur l'ensemble du réseau, c'est plus 16% depuis 6 ans. Alors, temps, en fait, excusez-moi, mais qui va de Bordeaux à Rochefort? Oui, ça... Souvenez-vous, 2006, privatisation des autoroutes par Dominique de Villepin. Avant, c'était à nous. Et là, il le laisse à des entreprises du BTP, Vinci et Fiage, en concession pour une durée de 25 ans. On se dit, bon, ça a épongé la dette. 14,8 milliards. Oui, sauf qu'en fait, la Cour des comptes nous dit que ça coûtait 25 milliards. Donc, on s'est fait avoir, on les a totalement bradés. En fait, ils gagnent environ 25% sur le prix de nos trajets, c'est-à-dire 1,5 milliard d'euros par an de dividendes. C'est absolument énorme. Et en quoi c'est un scandale d'État? Eh bien, parce que ça n'arrête pas d'augmenter et ça n'arrête pas de générer des profits. Et tous ceux qui prétendent qu'ils vont arrêter ne font qu'aller dans le sens de ces entreprises de BTP. Par exemple, 2015... Emmanuel Macron est ministre de l'économie, Ségolène Royal, ministre de l'écologie. Ils annoncent un gel des tarifs. Génial, on va payer moins. On se dit, bon, ils ont peut-être quand même négocié un truc. Il y a quelqu'un qui a voulu savoir, c'est Raymond Avrier. Il a voulu comprendre quel était l'accord, il a demandé. Et là, on s'aperçoit de quoi? D'accord, c'est gelé pour 2015, mais en échange, stabilité fiscale, clause pour allonger la durée des concessions, et surtout, c'est écrit noir sur blanc, hausse des tarifs additionnels chaque année de 2019 à 2023. On s'est fait complètement avoir et il y aura un surcoût de 500 millions d'euros pour nous, pour compenser le fait que ça a été gelé, bah oui, les pauvres. Alors comment c'est possible? Bah, c'est possible parce qu'en fait, les gens qui dirigent ces entreprises de BTP viennent travailler pour l'État, ils s'occupent de gérer les concessions, puis ensuite ils retournent dans le privé. Il y a une porosité totale. Regardez, ce fameux accord dont on parle, celui qui a été signé avec Emmanuel Macron, avec Ségolène Royal. Si vous regardez bien, dans un coin, il y a, par exemple, Alain Minc. Oui, Alain Minc, le conseiller des princes. Ben oui, il est président de la SANEF, Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France. Alors bon, on va quand même admettre, on compense, ils font des travaux. Ils font des travaux pour entretenir les routes.
3,2 milliards d'euros. Donc là, on se dit, ils remplissent leur contrat. Alors là aussi, on écoute Raymond Avrier, il va nous expliquer comment ça marche, ces travaux, comment c'est financé. Ces documents révèlent en acte, pas simplement en incantation, que ces sociétés autoroutières passent leur marché avec leurs filiales. Donc vous comprenez que quand les montants sont estimés par ces sociétés autoroutières, ils sont en arrangement avec leurs propres filiales. Le contrôle de l'État, c'est des petits gribouillis et il n'y a pas de rapport sur ces marchés qui normalement devaient être contrôlés. Donc en plus, ils nous surfacturent les mecs, ils nous surfacturent les travaux. Alors, simplement, si vous voulez, donc la prochaine fois, si vous êtes un peu énervé au volant de votre voiture pendant que vous êtes sur votre trajet, il y a un truc quand même pour limiter le coût. C'est très simple. Voilà, vous allez perdre à peu près 5 minutes, mais vous pouvez économiser jusqu'à 30%. Vous sortez de l'autoroute et vous revenez immédiatement. Regardez, vous faites un Paris-Lille sur l'autoroute. Normalement, c'est 16,30 € le péage. Si vous sortez une première fois à Senlis et puis que vous revenez 100 mètres plus loin, vous refaites pareil au niveau d'Albert, ben en fait, à chaque fois que vous sortez, vous reprenez un nouveau ticket, ça ne vous coûtera que 12,20 €, une économie de 4,10 €, ça fait 25% du trajet quand même, et vous les avez, vous avez perdu 5 minutes, vous avez gagné 25%. Voilà, c'est la seule solution. Sinon, il y aurait aussi demandé aux politiques d'arrêter de laisser se goinfrer les entreprises, mais ça, c'est plus long. Natacha, je vais vous dire un truc, c'est que le plan des libéraux, là, ils font moins les mariages. C'est la marque de sac, là. Non. Les libéraux. On ferme notre gueule. Parce qu'effectivement, c'est un scandale total. Bon, d'accord. Non, et il y a des scandales, et ces scandales-là, il faut aller voir de plus près. Alors, il y a des organismes qui s'occupent de ça, en principe, en France. Il y en a un excellent. Je comprends pas, d'ailleurs, pourquoi la Cour des comptes ne peut pas regarder les contrats de ce type de plus près. Parce que c'est vrai que là, le gros problème de cette histoire, on voit très bien, absence totale de transparence. Gilles William. Je suis un libéral tempéré et j'écoute avec beaucoup d'attention Natacha. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Il y a eu une concurrence à un certain moment donné. Parce que la manière dont tu expliques les choses, et en général, j'ai tendance à te faire confiance, ça sent la corruption à plein nez. Peut-être aussi beaucoup d'incompétence. Hein, parce qu'il y a mais ce n'est pas incompatible du tout. Ce que raconte Natacha, c'est tout à fait compatible d'ailleurs. Raquel, on renationalise les autoroutes, qu'est-ce que tu en penses? De toute façon, c'est à nous, à la base. Et en fait, c'est du vol. C'est ce qu'on appelle l'oligarchie, c'est-à-dire la collusion entre des milieux de politique et des milieux financiers. Nous, nous sommes dans un pays plutôt riche, on s'est payé des belles infrastructures, nos autoroutes sont quand même magnifiques hein, par rapport à vous allez rouler même en Allemagne ou ailleurs, enfin je veux dire c'est le jour et la nuit. Et à un moment donné, par le pouvoir politique, ils l'ont pris, ils l'ont donné à un groupe de mecs qui se goinfrent avec. Et c'est ça qui est fou, c'est que c'est démocratique, ça se fait dans un pays démocratique. Moi, c'est ça que je comprends pas. C'est pourquoi ces gens-là sont encore au pouvoir. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, il est signataire. Il est signataire de ce texte dont Natacha nous parle. Non, 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 c'est pas bien vendu, mais non. Non, mais il est d'accord, non, mais lui, il est d'accord. Non, il est d'accord avec ça. Il a signé. C'est pas ta signature et la mienne qui est dessus, c'est la sienne. Si vous voulez vous marrer un peu, d'un côté, ils gagnent encore plus d'argent parce qu'il y a moins de 17% de masse salariale, il n'y a plus personne au péage. Mais à côté de ça, pour vous faire plaisir, une fois par an, il y a la fête de l'autoroute. Et là, c'est formidable, ils les rendent piétons, les autoroutes, avec des animations. Il y a des piscines installées, il y a des cours du spectacle d'art de rue, bien sûr. Mais sinon, il faut faire comme moi, prendre l'hélicoptère. Natacha, moi je reste attaché. Et maintenant, mesdames, messieurs, il est l'heure de changer de disque. On termine cette émission en musique. On passe au blind test de l'actu. Bon, là, il n'y a pas de buzzer. Vous êtes content, il n'y a pas de buzzer. Ah, c'est bien, ce jeu. Vous écoutez la chanson. Là, je vais gagner. Quand vous avez trouvé l'actualité à laquelle la chanson correspond, ça, c'est un beau jeu. Vous répondez. Bon, attention, on commence. Musique. Ah, l'ouragan en Irlande. C'est mieux, ça, c'est drôle. Ah, non, en Irlande, là. Ophélia. C'est en Irlande. Ah, c'est Ophélia, pardon. Ah oui, Ophélia. C'est pas Irma, c'est Ophélia. Moi, j'ai dit Irma. Il avait dit Irma. Non, j'ai dit ouragan moi, Irlande. Moi, j'ai dit Ophélia, donc c'est pas pour moi. Ah oui. Ah oui, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non. T'as dit Irma. Non, j'ai dit non.
T'as dit Irma. Non, il a pas dit Irma. On a entendu. Lui, il a dit Ophélia. Je suis désolé. Natacha. Je suis témoin. Il a dit l'ouragan en Irlande. Oui, oui, il a dit. Ça, voilà. Non, ça, c'est un complot turc. Il n'a pas dit Irma. Ah. Ouais, il y avait plus de précision, moi. Pas loin des génocides. Il accuse les Turcs. Les Turcs, ça encore. Non, non, j'ai dit. C'est un coup des Turcs. Ça n'est pas exclure. Attention, on se concentre. Vous allez me donner le fait d'actualité que vous évoque cette chanson. C'est les vacances de la Toussaint. C'est les vacances de la Toussaint qui commencent. Voilà, les vacances. Les vacances de la Toussaint. Oh, oui. Natacha Polony. Voilà. Anne, balance ton pas. Balance ton pas. Ça? Mais plus précisément. Balance ton pas, t'as dit? Weinstein. Wow, Weinstein. Wow, c'est moi qui ai gagné. Il faut le nom précis. Toi, tu dis balance ton port. Moi, sur ma fille, j'ai écrit le scandale Weinstein. Weinstein, c'est... Est-ce qu'on peut mettre le deuxième indice, quand même? Ça vaut le coup qu'on l'écoute. Mais là, c'est quand même, ça aurait pu être balance ton porc. Hein. Là, c'est plus explicite, évidemment. Ouais. Moi, je pense que c'est Absatou qui a gagné sur ce coup-là. Merci, Raquel. Non, je suis pas d'accord. Il n'y a pas de précision. Non, non. Attention, musique. PSG qui a gagné, PSG, PSG, PSG. PSG, deux points. Jérémy Star est en tête. MHD, Champions League. Ça, on pourrait écouter ça toute la nuit, mais bon, tant pis. Il est égaré, mon voisin. Il entend MHD, il veut des boules cassées. Je ressens le fossé culturel. Avec... c'est ça. Mais c'est abyssal. C'est le problème avec ce jeu. Je ne comprends rien de cette histoire. Là, tu vas trouver. Là, tu vas trouver parce que... Mettez-nous du Brassens. Bah, tu vas voir, on va pas te mettre du Brassens. Mettez-nous du Léo Ferré. Mettez-nous de la bonne chanson. Musique. Ah, c'est... là, le musée. Oui. C'est l'exposition. L'exposition. La mort de Daniel Darieux. Non, c'est l'exposition. L'exposition. Gauguin. Non, Les, je sais pas combien d'années du chanteur, non. C'est Van Gogh, non. La FIAC. Non. C'est pas Cézanne. La Fiac. Non, la FIAC. La FIAC. Il n'avait pas déjà un point tout à l'heure. Oui, mais... et alors, un Arménien peut avoir deux points. Mais ça fait quoi, deux points? Ça fait deux points pour l'Arménie. Jérémy Star, deux points. Attention, Jérémy Star, deux points. Arménien, deux points. Tu m'as entendu le dire quand même. Attention, ça c'est très, très compliqué. Ah. Ouais. Quand on partait le bon matin, quand on partait sur le chemin... La bicyclette... Le Tour de France. C'est quoi? Oui, le Tour de France, je l'ai dit avant. Non, 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 oh là là. Oh là là. C'est quoi la pluie? Ils ont donné le parcours. L'annonce du parcours du Tour de France. Il a pas dit, il a dit Tour de France. La Tour de France. Non, il a pas dit l'annonce. Attendez, je ne veux même pas avoir un insisté. J'exige qu'on me le donne avec spontanéité. Tu l'as, tu l'as. Il est à toi. Prends-le. Il est à toi, c'est ton voilà. Point. Voilà, merci. Oui, bien, tiens, hey, je vous demande de vous arrêter. Non, non, non. Hey, il a vrai, t'es un fan club. Hein. Ah oui, c'est normal, c'est, ah ouais. C'est une réaction légitime. Bah, tu les as payés, le public se droit de dire. Tu perds des électeurs, Raquel. Non, tu fais du mauvais boulot, ils sont en train de devenir mais bien gauche, sûr, ils ont tourné, ils ont tourné Kazakh. Attention, super banco. Oui. C'est un rapport avec l'Iran. Là, c'est balance ton port, non? Là, c'est balance ton port. Non? Non, c'est à propos de la prostitution. Est-ce que c'est en rapport avec la prostitution? Non. 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 C'est pas les choix. Ah bon? C'est pas l'Iran? Non. Tu n'as pas besoin de porter une robe cette nuit, c'est ce qu'il dit. Donc, c'est la polémique. Non. Vas-y, le deuxième. Roxanne.
C'est sur la police de proximité. Ouais. Oh là 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 là, bravo. Et voilà, Gilles William Golnadel. Ça me vient comme ça. C'est marrant, comme à quel point t'es fan de... Parce que la chanson s'appelle Police, si tu veux. Voilà. Et la première, c'est le groupe Police. Franchement, c'était assez simple. Hein. Ouais. Gilles William adore NTM. Ça, mais bien sûr, ah oui, je suis un fan. Bon, qui a gagné? Bah, il me semble. C'est Gilles William Golnadel qui a gagné le blind test. Il a un point. Il est où l'autre là? Est-ce que je pourrais avoir le plantigrade? Il a un point. Bah, il a eu deux points, oui, mais le plantigrade et moi aussi. Bon, non, vu que tu gagnes jamais, on te laisse la victoire. Mais bah non, j'attends pas ta pitié, c'est un sentiment de justice. Envoyez-moi le plantigrade. C'est de la pitié pour toi. Mais il y a l'ours et l'autre dieu. Voilà, c'était les Terriens du dimanche. Votre show du dimanche avec François Olivier. Natacha, Raquel, Gilles William, Abdatou, Mathieu, Jérém. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Merci à Stéphane Simon. Rendez-vous ici la semaine prochaine à 19h05. Et d'ici là, sur cnews.fr. Ouais. Pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.